Oh la paix, oh la paix, oh oui, 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 oui. Venez, on va célébrer le futur clash entre les deux. Le clash là va être chaud, maman. Hey. Ah, le direct que je fais, direct sur direct là. Oh, yeah. Salut les gens. J'écoute par-ci par-là, mais ce qui est plus simple, c'est que je parle moi-même en direct. Et là, on va parler. Tenez, j'ai lu tes commentaires tout à l'heure. Tenez. Je vois ce que tu écris, hein. Tenez. D'accord. Salut mes gens. Je viens en paix, hein. Je viens discuter. Véronica Max, j'ai bu de l'eau. Ça va pas. J'ai déjà bu de l'eau, Véronica. C'est passé. Véronica Max. Monsieur Lebeau a fait, c'est le bon ou le beau. Monsieur Lebeau a fait une très très belle intervention tout à l'heure chez la reine Mère Bio. Adisa Mariette, comment vas-tu? Ce soir, ce soir, j'ai besoin de l'attention de tout le monde, même des ténébreux. Père de lumière, Waris, tu ne peux pas insulter Pispis comme ça, Waris. Parce qu'elle dit que je suis fille, garçon. Jamais, tu es un homme. Waris, tu es un homme. Tu vas beau porter le kabangondo ou encore la robe maritale, mais tu restes un homme. Ah, je vais bien. Je suis en arrêt maladie, donc je me la coule douce. Demain, tout ce que j'ai à faire, c'est aller au pansement à Saint-Pierre et puis faire des lives. Voilà. Et bon, peut-être mercredi, je vais repartir au boulot, pas pour travailler, mais pour faire une reconstruction de mon accident de travail avec les assurances de la boîte. Donc, ensemble, j'aurai beaucoup de temps. Mais je commence à voir très mal dans tous les sens. Donc, c'est vraiment douloureux parce qu'être brûlé au second degré... ça implique aussi, le degré implique aussi le degré de la douleur. Hein. Merci Adisa, merci. Je vais le faire. Voilà encore Samantha Fox. Samantha Fox qui est, disait que wow, Fleur de Lis, tu as fait ceci. Wow, Fleur de Lis, tu as fait ceci. Voilà. Voilà encore une qui a au moins 13 faux profils. Samantha Fox. 13, c'est petit. Elle a au moins 23 faux profils. Bon, venons, on va tuer le temps. Hein. Donc, je tue juste le temps. C'est clair que Pipi, Lolo Foggia, ça va être désormais notre gros sanguin. C'est clair que on va faire exactement à Lolo, Pipi, ce que Dekomamou vous fait à Compressor. Donc, à partir d'aujourd'hui, je soutiens Compressor. Oh. Compressor, c'est la tante de la belle Samé. Et la belle Samé, c'est mon petit frère. Oh, les réseaux, hein. Donc, sachez bien que c'est la belle Samé.
J'ai sympathisé avec lui avant de venir sur la toile. Voilà. Donc, la veste à main, c'est mon petit frère hors réseau. Et je soutiens la tante de mon petit frère, la veste à main. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, pour que ça soit bien clair, que je soutiens moi la co de Flore. Parce que vos yamseurs là, c'est des faux yamseurs. Par contre, la co, moi, on n'est que pour la co. Oui, parce que je réalise que, et maintenant que Pipi s'est réconcilié avec Lolo Foja, maintenant que Pipi dit qu'elle s'est réconciliée avec Flore, vous allez voir qu'elle va tout faire pour que les abeilles commencent à clasher contre ça. Vous allez voir. Parce que, en fait, c'est son but, en fait. Comprenez un peu. Mais sauf que Compressor lui a fait la même chose en 2023 avec Fleur Delisle. Ça veut dire qu'en 2023, Compressor s'est servi des abeilles pour clasher Pipi et on connaît la suite. Hein? Voilà. Ouais, Adiz a dit, les ténébreux sont très manipulateurs et hypocrites. Oui. D'ailleurs, d'où leur nom. Ils portent bien leur nom, Adiz a ténèbres. Ténèbres. Ténébrerie, ça veut dire l'obscurité totale. Tu vois? Donc, il porte bien le nom. Voilà. Mais en tout cas, comme j'ai dit, les alliances sont bien. Je vous l'accorde. Mais il faut aussi qu'on se retrouve dans la démarche de tout un chacun. Par exemple, les ténébreux ne proposent rien qui corresponde à mes valeurs. D'accord? Rien. Vous allez me dire que je n'ai pas de visibilité. Mais je suis là. Parce que vous me connaissez tous. C'est pas. C'est vous. Vous me suivez, je sais. Vous m'écoutez tous. Je le sais. Et on s'écoute tous d'ailleurs. Tout le monde écoute tout le monde. Donc arrêtez de faire genre. Tu n'as pas de visibilité, machin. Et laissez-moi vous dire que j'ai la visibilité que je mérite. D'accord? J'ai la visibilité que je mérite. Parce que venir sur la toile en moins de 2 ans, j'aurai 2 ans sur la toile que l'année prochaine, hein, qu'en juin. D'accord? Donc quand vous parlez de certaines choses là, Nicole est arrivée avant moi. La Lionne est arrivée avant moi. Black Beauty est arrivée avant moi. La dernière, celle qui est arrivée après moi, c'est Michel de Courgelongue. Il y a quand même Afrobafan arrivée avant moi. Donc, quand vous parlez des choses, c'est pour vous dire que si j'avais vraiment le temps comme vous là, j'allais faire de ma page une vraie page d'information et mettre les moyens. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. Tout ça, c'est le fun. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour m'amuser. C'est pour rigoler. C'est pour entretenir ceux qui veulent un peu se déstresser. Et parce que, bon, à force de regarder des contenus, hein, des Européens, des Américains, parfois, on a envie d'écouter le contenu d'un Camerounais, le contenu d'un Africain. Vous voyez un peu, parfois, bon, c'est très. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais c'est des personnes qui vivent au fin fond, par exemple, d'une vie européenne ou encore de l'Amérique. Qui reconnaissent la valeur de parfois m'écouter le matin ou encore de me voir le matin sur son téléphone après avoir vu que les contenus tournaient par des blancs. Bon, c'est vrai que sur Facebook de nos jours, on est plus privé enfin, on a plus accès aux contenus qui nous correspondent. Voilà. Ceci étant dit, merci Aziza. Ah, merci Aziza. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, c'est mon moi, ça. C'est le côté mon moi, c'est mon côté naturel. Oui, parce que quand on me dit que mon blog va mourir, non, tant que je vis, mon blog vivra. Puisque mon contenu, franchement, c'est quand je suis réveillé, quand je vais travailler. Voilà, donc je mets plus d'accent sur ce type de contenu. Voilà. Donc, c'est pour dire que tant que je vivrai, tant que je partirai travailler, tant que j'aurai la connexion, j'aurai toujours un petit contenu à faire. Voilà. Donc, c'était pour dire, une Thérèse qui a mal, c'est. Toi, la haineuse, tu as attaqué Patrice Samel ici pour rien chez la Lionne, on a vu.
C'est toi qui as commencé le problème avec Patricia Mel. D'accord? Le blog site Thérèse. Bon, voilà, Thérèse, je t'efface. Et tu continues, je vais te bloquer, hein. Et méfie-toi, hein, chamaleux. Loucotte, la loucotte, hein. Méfie-toi de moi, hein, loucotte, Thérèse. Avec tes faux cheveux. Continue comme ça. Mal baisé. Tu veux que je t'insulte? Une fille qui est grossée, je comprends pourquoi tu es avec Lolo, pipi. Parce que quand tu viens ici, tu dis qu'on t'agnasse. Tu veux que je sors des vidéos où tu dis qu'on t'agnasse ici en public. Tu veux que je les fasse jouer maintenant. Ça, tu n'as même pas honte. Même si je mets, ça va te faire quoi? Ampoule grillée. D'arrête. D'arrête. Oui, bah on va loin. Va loin. Et de venir ici baver sur la voix des hommes. Chouane. Va loin, je te dis. Bonjour, D'Angelo Black. Bon, j'entends les pleurs d'une bolée partout, D'Angelo, sur toi. Mais attends, Pastore est toujours en train de pleurer ton départ, hein, D'Angelo Black. Ça va bientôt fin. Ça fait un an déjà, je crois. Ben oui, je sais, c'est des jaloux. D'Angelo, Pasto pleure chaque jour. Hier encore, il pleurait. Oh, ben, il est temps, hein, D'Angelo, que tu... allez, il est temps que Pasto... quand une fille écrit, j'ai eu la plus bonne nièce. Ton mari que tu gaves des sauces d'arachide, là, maman. Hein? Sauce d'arachide, plantain mûr. Des plats bizarres comme ça. Sans... J'imagine que tu as fait de sauce d'arachide, plantain mûr. Hein? Des plats bizarroïdes. C'est ça que tu as préparé à ton mari, c'est ça? J'ai dit, loucotte d'amis, être ici. Loucotte d'amis, hein? D'accord? Voilà. Voilà encore d'autres. Haineux parce que j'adore. Haineux parce que l'arrêt de ta mère me rend tintin. C'est la cause de l'arrêt de ta mère que je suis haineux. Ça, c'est pour Nia Steven Glosses. Je suis haineux parce que ta mère a une raie tellement baveuse que quand je vois ça, ça me rend nerveux et haineux. Ça cause la raie baveuse de ta mère. Tu comprends? Bap, j'efface ton commentaire. Plantain pilé, voilà encore. Plantain pilé en Amérique. L'Amérique qui est remplie de nourriture au supermarché, voilà. Thérèse Tchamal a pilé le plantain avec l'huile rouge. Voilà. Voilà. Voilà les BAMS. Les voilà. Les voilà. Huile rouge pilée en Amérique. Tout est versé. Tout, il y a tout là-bas. Il y a tout, tout, tout. Mais madame veut que l'huile rouge. En tout cas, comme on l'a dit, poisson. Un morceau de bois dans l'eau ne deviendra jamais poisson. Te voilà. Thérèse Tchamal. Donc, parmi tous ces ingrédients qui sont versés là au supermarché, waouh, tu n'as pas trouvé autre chose que les haricots noirs et la banane pour piler. Vilain concon Tressia. Vilain concon Tressia. Vous allez même vivre en Amérique 100 ans. Ouais, tu vas rester bafant. On ne sont quoi concon. Hein? On ne sent quoi qu'on Ben, attends, D'Angelo. Ben, je ne pleure pas, Tressia. Bonne soirée à toi aussi, D'Angelo. Mais j'ai pas toujours eu l'occasion de tomber sur votre page, la quoi? Tu veux écrire ta page ici, D'Angelo? L'agorob? Non. Il y a un truc, savoir. Attends. Écrive un peu le nom de ta page, D'Angelo. Ta nouvelle page. Bon, Thérèse, où est la nièce partout, hein? Tu crois vraiment que ton gésier est indispensable pour moi, Thérèse? Est-ce que tu me vois comme quelqu'un qui peut manquer le gésier? Je vis en Belgique. Il y a la rue d'Ascot ici. J'ai ma carte bancaire. Le gésier en Belgique se paye comme les tomates. Il faut peut-être te réveiller, hein? Vous ne savez pas ça. Si je veux un gésier, je vais acheter mon gésier. Hein?
Ah, écoute, j'ai dit ici, il n'y a pas ce problème de jacier très cher. Il n'y a pas ce problème-là ici. On peut acheter le jacier ici. Tu ne comprends pas quoi? Hein? Tu veux que je montre tes photos où on voit ta grosse bouche là, où tu as ta bouche, où tu as piqué ta bouche pour ressembler à la lionne. Tu as insulté la lionne ici pendant combien de temps? Tout ça parce que tu voulais avoir une grosse bouche comme elle. D'accord? Tricia. Oui, ça, tu adores ça, je ne vais pas montrer. Hein? Bon, voilà. Donc, Thérèse, va loin. D'accord? Voilà, Patty Makala, je t'ai débloqué. Et je ne sais pas si Patty Makala est ténébreuse, lolomanien ou quoi que ce soit. Patty, tu es ténébreuse, t'es lolomanien ou quoi? Tu es pipitologue? Non, comment ça? Oui, André, oui, André est un blogueur, oui. Dès lors que tu tiens une page et que tu as une abondance de vocabulaire, virgule, tu peux prétendre tenir une page. Tenir une page, c'est pas en claquant sur les doigts, en claquant les doigts. C'est ouvrir une page blanche et remplie, n'est-ce pas, de tout ce qu'on veut. Ça peut être des notes de musique, ça peut être des photos, ça peut être même des cris, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, un contenu n'est pas forcément intéressant. Créer un contenu n'est pas forcément créer un contenu intéressant. Donc, on confond les choses. Donc, c'est pour répondre à la question, est-ce que Dangelo Black est blogueur? Oui, Dangelo Black est blogueur parce qu'il a une page qu'il tient au jour le jour. C'est ça, tenir un blog. Autrement dit, vous pensez que tenir un blog, c'est quoi? Hein? Même un forum, Thérèse Tchamaleu, ce profil est blog. Le fait qu'elle est en train de commenter avec moi, elle est en train de bloguer avec moi. Vous comprenez un peu? D'arrêter aussi voilà. Mais même une jeune fille qui vient afficher ses gros nichons, crée un contenu avec ses gros nichons. Et il y a des mecs sur la toile qui créent de plus en plus de contenus avec leur corps en slip. Donc, ils créent des contenus avec leur gros plantain. Si moi, je n'étais pas encore connu, déjà connu sur la toile comme Bertrand Chic-Saumont, je pouvais faire ce genre de contenu. C'est des contenus qui payent énormément. Des réels de 2, de 10, de beaucoup, beaucoup de vues. Vous voyez? Parce que de nos jours, les femmes et les hommes ont compris ce qui attire le sexe convoité. Par exemple, ce qui m'attire, moi, ce qui attire le sexe que je convoite est sur Facebook. Voilà. Donc, on sait ça désormais. Donc, du coup, c'est ces genre de pages-là. Donc, vous n'avez pas remarqué, des Noirs américains, depuis un moment, se montrent en caleçon et montrent leurs grosses teubes. Voilà. Bon, moi, je peux aussi faire un réel comme ça. Alors, j'aurais beaucoup de vues, mais je n'ose pas parce que, voilà. Donc, il faut rester dans son carreau et je ne veux pas me mettre à filmer mon plantain ou encore à montrer ma bosse pour une histoire de vues. Bon, même si je le faisais, ça reste un contenu. Le contenu, c'est forcément quelque chose qui prend de la place, quelque chose qui occupe la place, quelque chose, n'est-ce pas, qui occupe la place dans une bande de stockage. Voilà. Une fois que, même si tu mets n'importe quoi, c'est un contenu. Donc, il faut bien comprendre. Donc, c'était pour répondre à la question concernant D'Angelo. D'ailleurs, on t'aime bien. Hein? Très sadie avec quel corps. Wow. Avec le corps que j'ai, avec mon corps slim, ben écoute-moi très bien, Tricia. J'ai 50 balais. Regarde-moi, j'aurai 50 ans dans quelques mois. Regarde, l'homme est là. Regarde, même dans 10 ans, je serai toujours pareil. Ben, Patty Makala, ben non, je dors, je dors, je me réveille. Ben, tout à l'heure, j'ai sorti d'Esther. Trois fois aujourd'hui, hein. Et on venait de rentrer, voilà. Et voilà, j'ai lancé un direct, histoire de tuer le temps. D'autant plus que demain, j'ai rien à faire. Je suis à la maison demain. Et ce, jusqu'au 31. Bon oui, demain, j'ai pansement. Voilà, alors, vous voulez quoi? Je suis pas...
Je peux tuer le temps. Vélo va tuer le temps. D'accord? Tricia, elle dit qu'avec quel corps? Avec le corps que j'ai. Le bonhomme qui pine. Le bonhomme qui pine la, Rihanna. Il a mon corps. Il est comme moi. Hein? Il est exactement comme moi. Et beaucoup de noirs américains qui pinent des très belles filles sont comme moi. Donc, sachez que mon type là, c'est ça que les bobolos femmes adorent. Oui, parce que quand on est petit comme moi là, on sait s'insérer dans le top d'une bobolo femme et atteindre le point G. Vous voulez qu'on refasse la jeunesse? Hein? Comment ça, je vais bien travailler pour les deux stars? Tu veux dire compresseur et flore? Hein? Compresseur et flore des lignes tribalistes. Tribaliste. Oui, Pipi est ici. Pipi est ici, c'est vrai. Elle est très... Oui, elle a... Lolo a... Pipi a 22 faux profils. Lolo Fodia a 22 faux profils. Compresseur, c'est la star. La Kim Kardashian. La Catherine, c'est quoi? La Beckham, hein? Autrefois... Pipi l'appelait Beckham. Que, ah oui, ma Kim Kardashian. Et comme j'ai dit, si autrefois, compresseur faisait caca, compresseur bouffait tout, encore chaud. J'ai dit, elle attend même pas que la moto de compresseur se refroidisse. Aussitôt, elle mange. J'ai dit, des caca encore fumant. Avant, elle aurait fait. Avant, elle aurait chop. Les cacas fumants, les compresseurs, tout simplement, parce que c'était sa star. Bon, maintenant. Ah ben, je suis fragile. Très bien. Bon, tu me prends pour ton mari avec une gave de sauce d'arachide, plantain mûr. Hein? Sauce d'arachide, plantain mûr. Pas plantain trop mûr là. Le jacques que tu étais servi, ça se casse. C'est ça que tu as servi à ton mari aujourd'hui, j'imagine. Tu veux dire fragile comme ce jacques de plantain mûr que tu sers à ton mari. Ouais, le jacques de plantain mûr que vous voulez prendre comme ça, ça se casse. C'est ça. Vous faites honte quand on voit ce que vous mangez chez vous. Bon, français casse, ma chérie. Tu m'as toujours suivi ici et on a été toujours bien. D'accord, Francisca? C'est vrai que tu vadrouilles un peu souvent, mais tu es ma personne. Donc, accepte que je ne veux pas de cette paix hypocrite et que la seule paix qui tienne, c'est la paix compresseur Lolo Fodia. Tu ne comprends pas quoi? La paix que Flo avait, quel problème avec Pipi? Pati Makala. Est-ce que Flo avait un problème avec Pipi? Hein? Mais voilà, donc comprends-moi. Comprends que je ne veux pas de cette paix hypocrite. Ben oui. Comprends que c'est des histoires à dormir debout. Là, on parle déjà de novembre. Novembre, c'est loin, maman. Que ça d'abord résister. Attendons d'abord que mars passe. Hmm? Tu risques de perdre ton bras. Très bien, tu veux m'énerver ou encore tu veux aggraver, pète, c'est juste une petite brûlure, Tricia. Et tu sais qu'elle est baffant. Et je le dis pour moi, j'ai une haine viscérale avec les baffants. Vous savez pourquoi? Parce que ma marâtre est baffant. J'emploie le terme marâtre, Rora. Et Tricia, quand je te vois là, je pense qu'à la marâtre là. Écoute ce que tu viens d'écrire. Tu risques de perdre ton bras. Vraiment, les paroles d'une marâtre. Vous voyez déjà les marâtres qui donnent que les os aux enfants de sa coépouse quand elle prépare la viande. C'est-à-dire que déjà les marâtres, quand elle prépare la viande, elle donne que la tête sans chair aux enfants de sa coépouse. Très sérieux, ça ressemble un peu à ce genre de femme-là.
Non, vous voyez, Francesca, je n'aime pas aussi votre diamant bleu. Ben, tranchissement, il faut aussi comprendre. D'accord, ok. Mais, le tot, est-ce que tu as le tot, Tricia? Ton tot, tu as fabriqué. On a souvent dit que tu es tradra, non? C'est pas, on ne disait pas moi que tu es transsexuel, Tricia. On disait savoir que tu étais transsexuel. Tu veux dire, le tot que tu as un peu ouvert là pour rendre ça utilisable. Tricia, tu parles de quel tot même? Est-ce que tu as le tot? Tu es né avec une queue et une petite chasse terrestre. Tu m'as dit ça en IB. On a juste agrandi. C'est pourquoi tu as des goûts bizarres. Parce qu'à la base, tu es hermaphrodite. Tu veux que je verse tout ici? Thérèse Tchamaleu. Tu veux que je dise tout ici? Vous ne voyez pas qu'elle est bizarre? Ne parle pas Francis Kazibi, reste là. Écoute Thérèse, ce que je vais te raconter sur Thérèse Tricia. Elle m'a dit sur WhatsApp qu'elle est née homme-femme. Un petit zizi. Non, un gros zizi et une grosse chatte. Mais elle a voulu plutôt être une femme. Donc on a un peu agrandi son trou pour qu'elle puisse s'en servir. Mais quelle femme peut dire qu'on l'attache? Quand elle dit qu'elle veut attaquer. Bon, elle a une mallette comme les PD. Donc, parce qu'elle est deux, elle est femme-homme, Tricia, j'ai ton A1, d'accord? Ah oui, elle a l'habitude de faire. Voilà, Dangote Peking dit, please, Tricia. Leave the train alone. Leave me alone. He just said. Tasta, quoi, maman? Muret Blanche qui est née au village, là. Est-ce qu'elle a, bon, maintenant elle a bien la tête du village sur ses pieds. Nous, quand on était jeunes, on partait au village, on les voyait. On voyait déjà sa mère, sa dade, ses tantes en bordure de la route. Les pieds caramélisé. Pas la tête, bien sûr. Même si elle est star aujourd'hui, l'histoire va retenir que elle est née au village, dans une maison en terre battue. Ou encore dans une maison construite avec la bouse de vache. Bon, à l'ouest, on ne construit pas avec la bouse de vache. Qu'est-ce que je raconte? À l'ouest, on ne construit pas. C'est chez les tonnes qu'on construit avec la bouse de vache. Donc, quand la vache chie, ça veut dire ça qu'on construit la maison. On fait la. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est un bon moyen de recycler. Donc, pour ceux qui vont crier au loup, attention. Mais est-ce qu'il y a un problème? Je dis, mon problème, c'est la réconciliation pipi-compresseur. Voilà mon problème. Voilà la réconciliation dont il est question, mes gens. Voilà. Pipi, compresseur, pipi va demander pardon à compresseur pour l'avoir harcelé, pour l'avoir vilipendé, pour l'avoir trahi, pour avoir. Voilà. C'est ça qui est question. D'accord? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ma démarche. Je ne sais pas quoi d'autre rajouter, hein. C'est une fausse paix. Paix fuck up. Parce que meuf est sur vous. Edith, ma milliardaire, tu es où? Oui, des commentaires en direct. Et alors? Les commentaires en direct. Et alors? Attendre quoi toute ma vie. Thérèse, si moi je voulais te piner, je prenais l'avion, je voulais te piner. Je peux vivre à Washington autant que je veux. Parce que j'ai le logement gratuit à Washington. Marlboro Area. C'est pas dans Washington, mais les environs de Washington. Je venais là-bas et je te pinais et je t'attachais avec tes histoires là, tes accessoires là.
Peut-être ton mari aussi. Apparemment, on vous pine tous les deux. J'aurais appris. Toi, là, le vice que tu es dedans. Hé, juste à regarder comment un autre homme pine son mari. Trécia. Hich! Ton vice, là, maman, dépasse. Toi, là, tu es une vendue. C'est la première femme camerounaise qui embauche un homme pour piner son homme. La première femme qui le fait. Toi, là, c'est pourquoi je t'aime bien. Tu n'es plus de nôtre. Comme Pasteur me dit souvent, là, apparemment, je ne suis pas seul. Hein? Apparemment, je ne suis pas seul, Trécia. Je ne suis pas moi seul à ne plus être des autres. Même toi, tu n'es plus de nôtre. Et parce que tu es la seule femme camerounaise qui embauche un homme pour piner son homme devant qu'elle. Et entre-temps, sa main dans le clitoris. Il faut voir la vitesse qu'elle fait la baïonnette. Trécia. Hein? La ligne est ouverte, hein? Vous pouvez appeler, vous savez. Chacun appelle et donne son point de vue. La ligne est ouverte. Vous pouvez m'appeler. Bon, je vais. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro, sur mon portable, hein, sur mon. Appelez-moi sur mon WhatsApp ou ici si vous voulez. Ouais, tu vis ta vie, mais jusqu'à voir comment on pine ton mari, ta main dans tes fesses, tu vas trop loin, Trécia. Tu es dégoûtante. Voilà, la ligne est ouverte, vous pouvez appeler. D'accord? Et si, bon, n'hésitez pas, hein, si quelqu'un veut dire n'importe quoi sur pipi, c'est ici. Et nous, la paix qu'on attend, c'est la paix, pipi, compresseur. D'accord? Donc, mes gens, alors, qu'est-ce que le morgue raconte? Il m'a appelé Ataka Mansoua aujourd'hui. Qu'est-ce que le morgue raconte? Et je voudrais dire à Pasto que mes dents sont en meilleur état que les siennes. D'accord? Mes dents sont en meilleur état que les siennes. Donc, avant de m'attaquer Ataka Mansoua, il faut déjà aussi revoir sa dentition. Ok? Parce que vous insultez trop vite les gens. Hein? Regardez. Mes dents sont comme elles sont. D'accord? Je mange trop de calabas. D'ailleurs, mon nom, papa calabas. Voilà, Pasto. Voilà quelqu'un qui fait un direct. Oui. Ça ne parle pas bien. Ou alors, comme je sais, à Pouliningono, dans ce tableau, sur 1000 commentaires, je constate que... Pardon, ferme là. Tu es en train de parler des gens. Parle-toi. Apolingana. J'attends vos appels, hein. J'attends vos appels. Donc, j'attends vos appels. Carla Tati Johnson, on a l'appel compresseur pipi. C'est pour quand, Carla Tati Johnson? L'appel compresseur pipi, c'est pour quand? Hein? Ben, Félix, il y a un problème. Il y a un problème à ça, Félix. Oh,
demain on va faire une matinale toute cette semaine et je demande pardon à Compressor pour l'avoir offensé, hein. Oui, pour l'avoir offensé pour rien. Compressor, tu es une chouette femme. Tu es une femme, franchement. Les réseaux sociaux parfois nous poussent à suivre une mouvance sans vouloir. Mais en réalité, tu es une femme digne. Ne riez pas. Hein. Compressor, ayop, 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 ayop. Compressor aime la paix. C'est elle qui a besoin, c'est elle qui a eu des problèmes avec Pipi. C'est Pipi qui doit demander la, qui doit faire la paix avec Compressor. Compressor a ouvert sa porte à Pipi. Tu viens chez moi, tu cognes la porte. C'est qui? C'est Carla Fatty Johnson. J'ouvre, tu rentres, tu me dis Bertrand Chicksomon, j'adore trop ton blog, j'aime ce que tu fais, j'aimerais faire partie de ta team. J'ai dit ok, voilà. Carla Fatty Johnson, tu rentres dans ma team. Et tu complotes contre moi. Et du jour au lendemain, tu commences à me combattre. Voilà. Tu me poignardes sur le dos. Tu crées des coups bas. Tu me harcèles. Tu me lâches point. Tu continues. Voilà. Donc le problème est là. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Pipi doit demander pardon à Compressor pour tout ce mal, pour le mal occasionné. D'accord ? Pour avoir tout dit. Et en ce moment, elle va faire la paix avec Compressor et stabiliser sa relation avec d'autres blogueurs. Sinon, il y a zéro paix. Hier, elle disait qu'Amer. Eh, Seigneur, aidez-moi à détester. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Même paix est étonnée. Fleur Orphée, Fleur, même paix est étonnée. Tu comprends? Même paix est étonnée. Est-ce que Pipi peut faire la paix avec son chien de garde là, de comme Amougou, qui aboie là en lunettes? Hein? Non? Voilà. Donc je vous dis, zéro paix. C'est la paix de quoi même? Il n'y a pas de paix qui tienne puisque les deux femmes ne se connaissent pas. Je martèle. Hein? Je martèle. Voilà encore René Star de Lille, un lieu de deuil, un autre jour. Oh mon papou, oh mon papou m'a quitté, mon papou est mort. Oh, 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 oh. Maman, un autre jour, le jour du deuil, de la messe d'adieu, on la voit en train de danser jusqu'à. Hey! Massa, le deuil des camps. Ouch! Le pauvre papa. Hein, le pauvre papa. S'il pouvait un peu guetter de sa tombe, ce qu'on faisait le jour de la messe de son adieu, le jour de sa messe d'adieu. Que la paix bien. C'est pas la paix, c'est la haine. Je ne digère pas. Est-ce qu'il y a une matière à digérer? La paix que j'attends, c'est la paix Compressor Pipi. C'est la paix Compressor Pipi. Pourquoi personne n'en parle? Hein? Et les opportunistes. Et je suis sûr que Pipi savait qu'elle avait rencontré Fleur de Lille là-bas. Parce que Fleur de Lille a annoncé qu'elle partait chez René Fleur de Lille. Fleur de Lille a annoncé qu'elle partait chez René Star de Lille. Oui. Donc Pipi a donc pris le TGV pour la retrouver là-bas. Fais genre, je te parle pas, tu me parles pas. Voilà. Quoi by force, Tricia? Thérèse, quoi by force? Hein? Mais Emma le Fombo, dans tout ça, on n'a pas entendu le Fombo. Elle est en train de casser ses boutons, maman. Donc depuis tout ce temps, elle est toujours en train de casser ses boutons. Souhaite. Emma le Fombo.
Tu casses tes boutons, maman. J'imagine le bruit de ça. Tsouet. 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 Jus. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, compresseur est la cause de flore. C'est ce qu'on sait. Donc vive la cause de flore, vive la relation flore et sa cause. C'est ça qu'on doit porter haut. Vos histoires de tribalistes à deux balles. Hein? La douce Chloé, si tu viens m'insulter, je te tue. Je veux pas voir les Lolomaniens ici. Bonsoir la douce Chloé. Coucou, Bétranchique. Oui, quelle belle voix. Coucou. Comment vas-tu? Bien. Et toi-même? Ça va? Génial. Dis-moi, t'es monté pourquoi? Pour participer au live parce que voilà quoi. Je t'en prie. Comme tu as dit tout à l'heure, les trois blogueuses, les trois soi-disant super blogueuses, elles savaient très bien qu'elles allaient se rencontrer hier. Et qui dit rencontre dit la paix. Hein? Donc tu te lèves comme ça, tu peux dire à quelqu'un bonjour, après on commence à se parler sans s'expliquer. Ouais. Des choses, mettre les choses terre à terre, quoi. Sans faire tabula rasa. Voilà. Ce qui vous a mis en querelle ou encore en problème. Voilà. On s'est fait du mal mutuellement. Voilà, on passe à autre chose. Mais non, je viens, je te donne un flower et puis on fait la paix. Mm-hmm. Voilà. Et je suis une femme de paix. Voilà. Et on oublie tout ce qu'on a dit. Effectivement, on oublie que voilà, on a raflé ta mère avec la pelle. Sur le trottoir, on a. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais non, on ne peut pas tout banaliser. C'est ça le problème de l'homme noir. C'est qu'on se dit que tout ce qu'on dit. J'ai vu des Européens de mon entourage se fâcher au point de ne plus jamais se parler, même en cas de mort. La fille, c'est une fille qui était fâchée avec sa mère. Quand le père est mort, la fille n'est pas venue parce que la mère ne voulait pas. Vous comprenez? Et avec mort d'homme. Donc, oui. quand on ouvre la bouche pour parler, là, il faut qu'on donne du sérieux à ce qu'on dit. Ce n'est pas pour jouer. Les mots, vous savez, ça qu'on construit. Donc, si on banalise ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est qu'on va être comme les animaux, puisque c'est ça qui nous différencie des animaux. Mais Bertrand, il faut comprendre que cette paix, c'est pour naguer. Cette paix. C'est pour naguer le compresseur, surtout. Ben oui! Mais il faut voir comment ça gesticule depuis hier. Ça, comme des enfants en puberté, ouais. Comme des femmes en chaleur. Ouais, la paix. Je sais. Est-ce que ce sont des sœurs? Non. Est-ce que ce sont des amis dans la vraie vie? Non. Du genre un peu, ça ne se parle pas. Il a bien infiltré la team de compresseur. Donc la paix, ben, il faut parler d'une paix ou encore d'un processus de paix, c'est d'abord là-bas. Oui, il faut commencer par là. Mais ces femmes sont bornées et bêtes, excusez-moi, hein, mais elles veulent à tout prix réunir ces deux dames, mais sans creuser le fond. Et la plaie, elle est pleine. Donc, je ne sais pas, il faut aller à la source. Mais on se lève la plaie entre Pipi et Fleur de Lille. Ben, tu n'as pas vu comment Flo, elle avait fait le direct, elle a dit, ben, amour, tu sais, on s'est dit des choses, voilà, on est allé au-delà de ça, voilà, tu vois, là, c'était un semblant de paix, là, on peut encore l'accorder, mais pas qu'on se rencontre au deuil, on ne se calcule pas, chacune est dans son coin, bon, une autre trop stratège. Il faut qu'elle aille prendre les flowers dans la voiture, elle vient directement donner et dit voilà, et subitement toi, c'est comme si tu attendais cette paix, tu prends le flower, tu commences à se partir dans la salle. Et on a vu le faux d'être contente d'être avec toi. Elle était juste frustrée, alors on a bien compris.
Mais attends, mais c'est tout, tout est expliqué, tu vois. Et c'est la même personne qui jetait la pierre sur Compresso, comme quoi elle est hypocrite dans cette paix avec Flore. Elle est pas, elle, elle est une manipulatrice, elle est ceci. Mais dès que Flore s'est approchée d'elle, waouh, waouh, c'est comme si c'était le Donc, Messie. Mais c'était le Messie, donc, elle en fait, tout attendait ça, c'est ça. parce que Flo ne les calculait pas. C'est parce que Flo les avait déposés qu'elle vivait mal l'ignorance de Flo. Donc, c'est par amour, en fait, si je comprends Non, bien. mais c'est ça. On Okay. a, on a bien vu ici comment on a traité Compresso de je sais pas, De tous les de la noms maréchale. ambiantes, tout ce que tu veux. Voilà. Et la maréchale des abeilles. Aujourd'hui, on voit qui est la maréchale des abeilles. Parce que ça fait rire. Oui, la Mais marche des c'est. abeilles, c'est pipi, non? Non, mais on voit, elle attendait ça. C'était comme une délivrance. Et donc, pour elle, c'est comme un poids qui s'est affaissé. Et ils oublient tous ces gens qui sont allés combattre pour eux. Hein? Mais Voilà, on s'en par fout, contre, on fait Pedro, la paix, on pardon, passe par pour Flore a dit quelque chose dans le dernier direct, que la réconciliation ne veut pas dire que on va faire nos guerres ensemble. Ça veut dire que chacun va faire ses guerres. Comme là, par exemple, je suis en train de dire pipi, ou encore pipitologue. Je peux dire, ça n'empêche pas que demain, j'appelle Flore dans son direct, ou encore je rentre en direct de Flore, elle me parle comme si de rien n'était. Voilà, donc il ne faut oui. pas confondre cette paix-là. Ne croyez pas que parce qu'elles ont fait la paix, on va lui dire pipi parce que pipi. Non, mais Parce attends. que vous. Mais vous êtes des blogueurs. Vous voyez, il y a une comme Flore qui se lève un bon matin. Elle instaure la paix. Elle oblige tout le monde à faire la paix. Il faut qu'elle se lève encore. Elle dort un autre jour. Elle se lève d'un mauvais pied. Elle clash tout le monde. Voilà. Donc, pour elle, on doit marcher comme elle veut. Donc, elle aussi, elle peut t'imposer à toi de ne pas appeler. Et ne sois pas étonné hein, qu'elle te dise un jour de ne pas appeler sa yam sœur pipi. Non, Mais ne oui. crois pas, parce qu'elle a dit aujourd'hui qu'en fait, on est amis. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on est amis sur Facebook. Chacun reste dans son, sur sa page. Et c'est une place sur Facebook. Elle a précisé, hein. Donc, Pipi va continuer sa guerre avec la reine Mabio. Et on va regarder, nous donner des points notés. 1, 2, Ben, 3, etc. Bonjour, Tatiana. tu vois une comme sa générale à elle qui est Lofobo n'a pas fait une sortie depuis hier. Mais il faut comprendre que le mal est profond. Elle qui ne rate jamais les buzz sur Facebook, mais elle a fait vue ignorée. Elle a juste fait un post en disant je parle. Mais le fombo, elle, allez, les abeilles, les ténébreux l'ont lâché. Bon, voilà, donc du coup, elle se repose un peu. Ou encore, peut-être, elle a doigt, là, elle est en train de boire. Le fombo nous a dit que quand elle n'est pas sur Facebook, ça veut dire qu'elle est en train de boire. Voilà, Non, donc sans doute, elle est en train de jonc. elle aurait dû quand même faire un post, dit je félicite mes soeurs, mais elle dit je parle. Tu vois un Hey, peu. pipi! Mais comme je l'ai dit, Pipi va demander pardon. La paix qu'il faut faire, c'est avec Compressor. Parce que l'histoire de Compressor et Pipi, c'est une histoire grave. Et il faut d'abord commencer par Tu vois, là. Sinon, il n'y aura pas de paix sur Facebook. Bertrand, tu sais. Nous sommes sur Facebook depuis des années. La personne à abattre, c'est Compresso. Mais tu vois, la veuve joyeuse a traité Lolo de tout. Je dis bien, elle En a fait, déterré même sa c'est tout mère. pendant des mois, pendant 6 mois. Mais là, elle est passée à autre chose, hein, comme il n'y a rien. Comme si rien Donc, n'était, oui. comme si rien n'était. Elle est passée à autre chose. Mais là, si elle va abattre Compresso, qui est la plus méchante, qui dit des choses, qui vomit des choses. Avec même On Flore, s'entend. tu vois, même Flore elle-même qui a dit qu'on a ramassé sa mère sous le goudron avec la pelle, là elle est passée à autre chose, hein, mais Compresso c'est la plus méchante, la plus haineuse à abattre. Donc, ben voilà, Compresso elle l'avait dit, elle, voilà quoi, elle voit pas la paix, elle voit pas la paix avec elle. Oui, mais non, elle ne va pas la paix parce qu'elle ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui l'a trahi. Voilà, Mais ça tu Pipi doit comprends. d'abord. Bon, je m'entends derrière la douche. Je ne sais pas, tu veux recorriger? Le contact n'est plus bon. Le son n'est plus bon. Tu m'entends? Voilà, ça va. Oui. D'accord.
Ce que tu as dit avant, on n'a pas bien compris. Tu peux répéter ce que tu as dit avant Je pour disais, répéter? comme tu as dit comme tu as dit tout à l'heure, elle s'est sentie vraiment trahie parce que elle formait d'abord une team ensemble. Après, Lolo est passé par derrière, elle a formaté tout ce qu'elle pouvait formater. Voilà la sournoiserie comme elle est. Elle a organisé des trucs. Elle s'est retirée, elle a créé sa team à elle. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre les deux. Et comme compresseur, elle est du genre un peu, il ne faut jamais insulter ces gens. Ça veut dire que tu l'as blessée profondément. Parce qu'une femme qui n'enfante pas, elle est fragile. Alors, quand tu touches ce côté, elle est vraiment. Elle n'est pas bien, quoi. Donc, Lolo, elle est aux extrêmes. Elle a leur dit, elle, Lolo et elle, jusqu'à la mort. Je sais, Lolo, c'est pas une... Lolo n'est pas méchante. Hein. C'est une femme, elle n'est pas méchante. Elle est déjà, elle pense à autre chose rapidement. Donc, je pense que si Compresso mettait un peu de l'eau dans son vin, Lolo et elle, on peut avoir une paix. On peut vraiment avoir une paix entre les deux. Ouais. Mais personne n'est méchante. Personne n'est méchante. Mais je pense qu'une paix, chacun reste dans son coin. Parce que si elle se fréquente, elle s'appelle tout le temps et tout, ça va sortir les enregistrements. Ça va sortir, ouais, je t'ai sorti avec toi, c'est moi qui dépensais. Ouais, bon, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, Ouais, je comprends, je te comprends, mais de toute façon, ça va être le challenge, parce que j'ai entendu des gens me dire, Bertrand, je suis bon, tu devrais, par exemple, plaider plus pour la réconciliation entre sœurs. Oui, je veux bien, mais sauf que là, j'ai posé mon dévolu sur Compressor et Pipi. Ces deux femmes, je veux les voir ensemble. Je veux voir Pipi dire à Compressor, pardon, tout le mal que j'ai fait, et recommencer, faire table rase. Pas forcément pour être amis, mais aussi, n'est-ce pas, pour redémarrer. Et ainsi, elle pourra faire la paix avec qui elle veut. Parce que la paix avec qui que ce soit, en omettant de reconstruire les morceaux avec compresseur, ça serait une paix perdue d'avance, douce. Ben, tu sais, Bertrand, je pense que la majorité, certains aimeraient bien cette paix. Parce que c'est une paix qui va vraiment faire du bruit sur Facebook. Contrairement à la paix de Flore et Compressor. Parce que on aimait bien les voir ensemble. Eux partageaient des choses ensemble avant que ça ne se gâte. Mais je sais pas quel miracle peut faire pour Flore que ce lui a dit qu'il bruit. n'y a pas de problème. Flore a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Tout baigne. Tout va bien. Flore a dit qu'il n'y a pas de problème. Oh, allez, c'est pas moi. Il n'y a pas de problème. Les deux femmes se portent bien. La relation de Compressor et Flore baigne. C'est sa co. Elle-même, elle a dit, hein. Donc, quand on pensait qu'il y avait un rhume de la relation, elle est sortie, dit que non, il n'y a rien du tout. Rien, 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 rien. Voilà, donc, moi, je Non, retiens ça. Tu sais non, comment est-ce que tu as retenu, toi? non, du côté de Flo et Compressor, il n'y a pas de problème. Tout baigne. Ouais, Voilà. tout baigne entre eux. Même si on peut interpréter, même si certaines pièces qu'on a nous donnent envie de dire que non, ou encore vu ce qu'on a, vu certaines sorties, certaines démarches de compresseur, on peut croire qu'il y a anguille sur roche, mais Flore est sortie nous dit que non, que tout va bien. Donc. Si, ben, tu sais, Bertrand, on ne va pas se voiler les yeux. Tu vois, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui a été brisé parmi les deux. Mais elles ont Tu vois. camouflé, donc du coup on n'a pas vu. Donc Ben voilà. oui, elles ont camouflé. C'est ça, c'est ce que nous on veut voir. Parce que si elles n'avaient pas camouflé, ça devait partir à un quart de tour. Elles ont camouflé, mais on sait, nous, on sait que cette paix a été fragilisée. Et maintenant, ce n'est plus. Ce n'est plus comme avant, ça c'est sûr. Tu peux Ouais, pas mais oui, on ne l'imaginer. peut que supposer, donc on va jouer un petit jeu de supposons, supposons, oui. Mais bah, on peut supposer, mais les concernés nous ont dit que tout baigne. Donc, tant que les concernés ne viennent pas nous dire que oui, en fait, il y a un petit rhume, on va dire que tout va bien. Voilà, donc jusqu'ici, ce qu'on a pour animer le débat, c'est que tout va bien entre les deux femmes. Donc les deux femmes ne sont pas en froid. Flore de Lis et Compressor, leur amitié baigne. D'ailleurs, moi, par moments, j'ai pensé que ça partait dans tous les sens, que ça devait être la vraie Dadou. Mais non, hélas, leur amitié a bel et bien survécu à cet ouragan. Donc,
pour nous, pour tout le monde, Flore, elle a mis des flots de compresseur, voilà. Et que la IAM veut juste une opportunité pour combattre son ennemi juré compresseur. Moi, je vois ça Ça comme c'est ça. C'est pas la ben peine. oui, ça c'est clair. C'est pas Ça la c'est peine clair. qui. Tu as tout dit, hein. C'est pas Tu as la tout dit parce peine. qu'elle n'insistait pas de dire, elle n'insistait pas de dire toujours hier jusqu'aujourd'hui. C'est ma yam sœur, aujourd'hui, demain et après-demain. Et hier, Flore a dit à Lolo, tu m'as beaucoup manqué. Donc tu ressens l'amour entre les deux. Elle dit, tu m'as beaucoup manqué. Mais Lolo était toujours dans les trucs à lancer les pics. À lancer les pics. Lolo, pourtant, Flore n'était pas, elle n'était pas là à lancer les pics. Mais aujourd'hui, elle a pris le micro en voulant dire, ouais, les gens vont vouloir sortir les remembers pour nous briser. Flore a directement arraché le micro. Elle a dit, non, on n'entre pas dans ça. Donc, elle veut toujours revenir. Elle veut pousser les gens, même qu'on n'avait pas cette idée. C'est ce que eux ils ont eu à faire quand Compresso a fait la paix avec Lolo. Elles ont passé leur temps à À sortir les faire les remèdes bas. remembers, Tu vois, à faire les remèdes bas, elles n'ont pas arrêté à sortir des vidéos où Compresso clashait la maman de Flore, où elle clashait même Flore en vrai. Mais là maintenant, personne ne s'occupe même d'eux. Mais elle veut donner cette idée-là aux gens de sortir leur humain. On n'en a rien à foutre. La paix, c'est bien. Nous, on est contents pour vous. Mais n'abusez pas quand même. quelle Hein? Parce paix? Est-ce que tu appelles ça vraiment paix? c'est pas la paix. C'est une préparation d'empoisonnement parce que j'ai l'impression que les ténébreux vont faire ça à Flore à l'envers. Flore ne connaît pas la nouvelle ténébrerie. Si les ténébreux se mêlent à son émission, elles vont au contraire, je veux dire à son événement, elles vont au contraire fragiliser. Les ténébreux n'aiment pas la paix, je vous dis. Les ténébreux n'aiment pas le bien. Donc, je vous dis une chose, Flore n'a pas besoin des ténébreux. Elle a besoin de tout le monde, sauf des ténébreux, parce que Pipi ne l'aime pas. Parce que bon, attends, je vais te dire une chose. Quand Pipi a commencé à voir Flore, elle n'était pas encore sur les réseaux. Elle enviait Flore. Et Ben quand oui, elle est venue sur les ben oui. réseaux, elle a commencé à insulter Flore pour se faire une place. Effectivement. Ben Voilà. oui, c'est ça. Alors donc, elle me fait croire qu'elles sont amies. Non. C'est parce que Flore aussi, peut-être que Flore aime les gros nichons. Elle a peut-être flashé sur l'eau et elle aime bien. C'est tout. Mais sinon, en tant que copine, il n'y a jamais eu d'amitié. Alors, quand il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de friction. Je suis désolé. Parce que, bon, pourquoi veux-tu qu'il y ait une friction ou encore qu'il y ait un désaccord quand on n'a pas été amis? C'était la paix qui avait quoi d'abord? Mais où il faut vraiment parler, où il y a un problème, on évite. Donc, je vois en là, je vois en ce signe, bon, c'est un schéma tribaliste. C'est un Ah mais, schéma ben, tribaliste. c'est un schéma tribaliste, on ne se voit pas les yeux, hein. On se voit vraiment pas les yeux. C'est un schéma Donc, tribaliste et on dit non. et regarde Bertrand, quand tu vois celles qui sont plus heureuses sur la toile pour leur père, ce sont les qui? Ce sont les sœurs, hein? Voilà, les Moi, hamsters, je suis bannie aussi, hein? ces deux femmes sont bannies, qu'elles vont faire beaucoup de choses. Ben Pardon? oui! Ben oui! C'est ce qu'elles disent. Et là où elles ont dit. Elles ont fait des vidéos, elles ont dit, elles vont mettre tout en jeu pour garder cette paix ensemble. Mais pour compréhension, elles sont prêtes à détruire. Elles ont même commencé à détruire. Mais là, pour Lolo et Flore, elles sont prêtes à protéger, Ouais, coûte que coûte, cette paix. ouais, Vous ouais. voyez? Voilà, Lorsque, c'est comme pour et dire c'est deux ça le bannes en tribalisme. France. Non, c'est ça l'idée. Il y a Ben, quelque chose de malsain dedans. Tu comprends un peu? mais c'est ça. Je sais pas Mais si tu c'est comprends ça. un peu comme Mais moi. Il y a quelque chose de malsain. Et je je n'aurais pas, comprends attends, comme pas toi. mon Michou, je n'aurais pas dit ça si Pipi n'était pas sorti ces jours-ci, par exemple, appeler, fait appel à Roberto Bertini, que wow, je vais appeler mes Ben, frères. Voilà. oh là là, mais Bertrand, Ça, tu as tout compris. j'ai trouvé Elle ça a fait les très appels de bas. base. Elle a Voilà. fait Et Bertini, quand même, bon, Bertini, il est sorti, mais il a été maladroit depuis quand Bertini rentre dans ces choses-là. Et comme est-ce que je ne tu sais voulais pas, elle a fait un autre poste à l'attention de Ndanou. Je sais que je parle, c'est Ndanou, le tribaliste, là. C'est son truc. Mais Ben lui moi, aussi. j'ai compris que c'est un truc tribaliste. Parce qu'il ne faut pas dire tribal. Oui. Mais tu sais, Bertrand, excuse-moi si je t'ai coupé la parole. C'est pas Tu sais, grave. Lolo, c'est une manipulatrice hors pair. Oui. Tu sais, le jour où elle a fait le direct, elle a interpellé Bertini.
Elle a interpellé Gangou et les deux sont sortis immédiatement. Voilà. Tu comprends? Ouais. Là, elle appelle et elle a appelé aussi Mbanga Diaspora parce que lui, il n'est Non, pas plus. Mano Sabi. Oui. Et lui aussi, il est tombé dans le jeu en appelant Oshiga Ingrate et l'autre. Tu sais, elle ne va jamais en guerre toute seule. Il Ouais. faut qu'elle ait toujours les alliés. Il faut qu'elle ait toujours quelqu'un derrière elle qui va la supporter. Tu vois? Et aujourd'hui, Gangou, il a fait un post, il a dit ceci. La personne qui va se mettre en chemin de cette paix va le trouver sur son chemin. Tu comprends? Donc, elle a déjà préparé tout le terrain de gauche à droite Ouais. pour pouvoir contrecaler tout. Mais ça, c'est la Ouais, lâcheté. la Elle est lâche. lâcheté. Et on dit non aux tribalistes. On dit non à ça. Ben, autrefois, Meuve, la reine Meb Bio, était sa sœur, sa yaya. Maintenant, c'est Mère Daloa. Elle n'a même pas honte de l'appeler Mère Daloa. Là, c'est Mère Daloa. Alors qu'avant, c'est dans la même ordre, c'est dans la même optique qu'elle a accepté la collaboration avec la reine Meb Bio dans le but de faire du mal à Flore Delys. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voyez un peu, mais dans le but d'attaquer Compressor, comme je vous dis, pipi vise Compressor. Elle pense attaquer Compressor tout simplement en se servant de Flore Delys. Parce qu'elle pense que les deux femmes ne sont plus amies. Oui, Mais dites. oui, et dans son direct, elle ne cesse de dire que tu n'as pas honte, tu partages les directs où on insulte ta co, tu veux dire que c'est ta co. Donc, elle veut toujours cogner la tête. Elle a toujours dit à sa yam, elle dit, quand elle parle de sa yam, que ma yam, ouvre les yeux, tu te fais manipuler, ouvre les yeux, c'est pas ta copine là-bas, elle se sert de toi. Tu vois, mais là, présentement, si nous, on veut donner notre avis. Lolo et Flore, ça veut dire qu'on est méchant, que oh, l'appel à nous faire mal. Hey, on va parler de ça aujourd'hui, demain et après-demain. Vous Ce avez sont compris, des non? tribalistes, c'est du tribalisme. Mais c'est du tribalisme à Voilà, ciel du ouvert. tribalisme. Pourquoi? Parce que la sœur Rêve Biabia avait déjà commencé la veille à dire, c'était vraiment étonnant de voir cette fille dire ça après avoir insulté Flore Delys pendant 2 ans. Depuis Elles que je n'ont pas connais cette honte. fille, Elles n'ont pas honte. depuis que je la connais, elle a insulté Flore Delys chaque jour et Compressor. Mais hier, elle dit, avant-hier ou c'était hier, les deux femmes sont bamlékées, elles peuvent apporter beaucoup de choses sur la toile camerounaise. Une toile tribaliste, oui, mais on ne veut pas de ça. Vous avez peut-être pensé que moi j'étais tribaliste, mais vous ne me connaissez pas. Je suis bandounais, point, et cohérent. Bandounais et surtout cohérent. Moi-même, je suis bamléké, mais je dis, cette paix, c'est une paix des tribalistes en paix, Oui, à non, non, ciel oui, c'est une paix des ouvert. tribalistes. À Oui, parce ciel que ouvert. bon, Pépi, elle, dans son jeu, depuis 2 jours, elle parle que des Bamlékés. Donc, un clash, avec Amel lui a parlé comme d'habitude. Alors que j'ai suivi cette directe-là, parce que je n'avais pas suivi, bon, j'ai suivi la vidéo parce que je n'avais pas vu ça en direct. J'ai même décrypté pour voir ce qu'Amel a pu dire dans son streaming, qui a pu pousser Pépi à mettre tous les Bamlékés de la toile, bon, les très Camerounais en guerre. C'est malsain, c'est méchant ce genre de comportement. Ça veut dire cogner les têtes. Ça, c'est des femmes dont on coupe la tête parce que si on ne coupe pas leur tête, elles vont cogner la tête dans les sociétés et mener la société à sa perte. Je m'explique. Dès lors que je coupe le direct d'Amel Kamer, je me rends compte qu'en fait, Amel Kamer ne l'a pas insulté. Amel Kamer n'a jamais manqué de respect à Pipi. Amel Kamer n'a pas tenu les propos que moi je tiens sur cette femme-là, ici. Je n'ai pas entendu ça chez lui. Il a parlé à cette fille normalement. Mais bon, même dire qu'elle est une blagueuse, oui, il peut dire ça. Mais comme Pipi s'élève et crée une tribune des gars bamlékés pour abattre le gars Bassa, ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, la douce. J'ai trouvé ça pathétique. Donc Pipi m'a vraiment dégoûté. À ce moment-là, quand il a commencé à crier le nom de Bertini, et Bertini avec ses yeux de chat est sorti, Et commençait à. il est sorti subitement. Voilà. Mais sauf que la reine Mbio l'a remis à sa place. Bon, j'espère qu'il va plus ressortir d'aussitôt rentrer dans le Fuma-Fuma. Non, Bon, comme nous mais aussi, ça a sauté. elle cache très bien son jeu, Lolo. Elle cache très bien son jeu. Mais c'est très méchant Une ce qu'elle a fait. On se rend pas manipulatrice. compte.
Vous vous rendez pas compte? Ça Non. veut dire que Amel Kamel insulte. Comme Amel Kamel aime Bassa, elle dit, je vais appeler mes frères. C'est bien ce qu'elle a dit. Je vais appeler Oui. mes frères, Bamlegué, pour me défendre. Elle a cité Bertini, elle a cité Manu Sabi, et puis peut-être ma Banga, pas Banga, je ne sais pas, mais je n'ai pas Oui. entendu. Voilà. Banga Diaspora. Voilà, mais ça, Et alors vous me dites que ça, ce n'est pas le tribalisme. tu sais que elle a cité tous ces gens-là parce que ces gens-là détestent Amer Kamer. Donc, c'était pour que ces gens-là sortent faire sa fête. Mais ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Ça va pas empêcher que Amer Kamer, s'il a te dit, il prend sa caméra, il va Oui, mais dire, quand Amel hein? Kamel lavait pipi pendant. Amel Kamel a insulté pipi pendant un an, tout 2021. Tout 2021, Amel Kamel était sur l'eau. Je suivais, parce que quand Amel Kamel était en Afrique, je le suivais beaucoup à cause du paysage. Et chaque jour, il était sur pipi. Même après la fête, là, avec Guylaine Chapuis, il nous a dit que l'Angalais est laide. Quand vous la voyez en vrai, hein, elle est laide jusqu'à. Ben oui, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit ce jour-là. Et dès lors, il n'a pas arrêté jusqu'à tout récemment. On est d'accord? Donc, pour une sortie, alors, ils étaient où avant? Pourquoi Pipi ne disait pas ça avant? Donc, Excuse-moi un peu, Bertrand. J'ai vu comment Ducamé est venu le matin te faire un peu il est leçon remontrance. Oui, de l'homme s'en fait morale, je sais remonter. pas. Pourquoi toi tu vas l'insulter, tu l'insultes, alors que lui, le plus hypocrite de la toile, c'est lui. Hein? Lui, c'est quand ça l'arrange. Hein? Lui, c'est quand ça l'arrange. Ben Là non, maintenant, peut-être mon frère, mon futur, il tourbillonne aussi, au même rythme, il tourbillonne sur les bancs. il veut laver son image auprès de Lolo parce qu'il veut passer à sa TV. Il souhaite donc, il veut une invitation pour passer à la TV. C'est la raison pour laquelle il caresse, il fait une bonne figure, quelqu'un qui est, il insulte pas les femmes, alors que lui, il a traité Monsieur Fondja ici, là, avec Lolo, tous les matins, il se levait avec son nom, jusqu'à ce que Lolo a promis même la bagarre avec lui. Et aujourd'hui, il vient te faire la leçon de morale. Oui, ben C'est non. Quand c'est du Cameroun, beau. le fait que du Cameroun, c'est spécial, comme nous tous d'ailleurs. Donc, bah, du Cameroun, bon, attendons voir 2 jours hein, s'il tient les mêmes propos. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que, d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris comment insulter Lolo Fodia. Voilà, C'est lui qu'on a entendu tout voilà, ça. Voilà, donc voilà. c'est toi qui as banalisé l'idée de la traiter des pipis, des pisseuses et des salisseuses de coin. Sérieux, Ben voilà, c'est toi. sérieux. Voilà, donc. Bon, c'est vrai que je n'ai pas compris sa démarche ce matin. Ben, comme tu as dit, il veut sans doute passer à la télé. Mais Mais c'est du Kamel, tu n'as pas besoin de faire ta demande. Pipi a dit que si on fait la demande, le jour qu'elle déballe sa télé, elle pourra te prendre. Mais pour ça, il faut que la fille envoie ses enfants au McDo. Oui, ben, c'est ce qu'on a entendu, hein. Ben, c'est une télé qu'on déballe, on emballe. De toute façon, Lolo, si tu continues comme ça à gesticuler, ma chérie, ce serait toi la générale des abeilles. Mais Parce c'est que la vous générale des abeilles. Elle a dansé, maman. avez Hey! je Elle te dis a qu'elle a dansé près du banc des dansé. pieds. Maman, dont tu vénérais Flore comme ça. Je te dis qu'elle Elle était devant comme ça, mais. gesticulait. Massa, massa, massa. Il fallait J'ai eu dire à Flore peur qu'il aime. j'ai eu Putain. peur de Donc, sa tout ça, perruque. tout J'ai ça. eu peur. J'ai eu peur que sa perruque devait tomber. Tenez-moi, elle gesticulait. Les gens disaient que ouais, arrête de boire, ne bois plus la bière. Elle dit, je n'ai pas bu la bière. Pour moi, c'était qu'elle jouait comme ça. Du coup, tu dis qu'elle attendait l'appel là. Elle Hey! attendait, elle a prié, elle avait par terre rencontré Flore. Je vais Entre mettre tes la fille. deux. Parce que Flore a annoncé sa venue C'est ça. sur ta page. C'est ça. Et elle a dit que oui, je pars aussi. Parce qu'on n'a pas entendu Pipi faire la promotion de ça. Je ne sais pas si elle a parlé de ça, mais on a entendu Flore dire, je vais à Lille. Chez René Salle Non, Lille. elle n'a pas fait la promotion. Elle se m'a dit, elle s'est levée, elle a dit que je vais à Lille parce que René Stade de Lille, elle m'a soutenue quand on m'avait boycotté, on avait versé la farine sur moi. Alors moi aussi, je pars. Elle a dit Mais ça moi, quand le je même savais que. jour ou combien de jours avant? Ben, comme moi, je ne la suis pas trop parce qu'elle Mais elle savait que comprenait. Flore partait, puisqu'elle a entendu Flore dans son direct 2 jours avant. Elle savait que Flo devait partir. Donc, du coup, qui dit Flo dans une veillée, attends-toi à une approche, attends-toi à bonjour, attends-toi à ma soeur, excuse-moi. Donc, Flo est comme ça, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est une femme comme elle est maternelle.
Elle est accueillante, elle est comme ça, voilà. Elle cache aussi son jeu. Elle cache bien son jeu pour, voilà. Elle est un peu comme un peu un léopard qui Pardon, en fait, ça veut dire veut. que Pipi voulait donc renifler Flore tout ce temps. Au lieu de dire, maman, j'ai envie de te renifler, elle prend sa caméra, elle insulte la mère, elle insulte tout le monde. Est-ce que tu sais qu'elle va perdre certaines de ses lolomanias? Parce qu'il y Ah a ben oui, ah oui, ah oui. certains de ses lolomanias qui détestent, je dis qu'elle La doseuse, qui la Congolaise qui a détestent longtemps Flore. inscrit Flore à son compte. Oui. Elle va, elle Merde! va, elle va. Il y a un là qu'on appelle Prado Monde. Le jour où Flore s'est levée, elle a dit que la paix au Mayam sœur. Mais le gars là, il a failli se déchirer. Il a dit que je ne veux pas que tu fasses la paix avec elle. Elle s'est mise en grève, elle a commencé à gronder le gars en question. Mais je vois plus le gars sur sa page. Hein. Je ne le vois plus. Et il y a certaines de l'Omania là, que je peux même citer le nom. Qui détestent Flore. Le Jacques est... Laisse tomber. Ouais. Cette Mais en tout paix. cas, elle va aller laisser des morceaux, un peu comme Compressor. Quand Compressor s'est réconcilié, elle a perdu un peu de la Ah flore. Mais quand les oui, elle proches a avec beaucoup Flore perdu. ont repris en coulisses, hein, bon, il n'y a pas de problème. Officiellement, il y a des petits frissons. Mais officiellement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, depuis qu'il y a cette friction officieusement, la page de Compressor a repris des couleurs parce que c'est eux qui Effectivement. ont revu, oui. Si, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Parce que quand elle a fait la paix, beaucoup de TKC sont partis. Beaucoup. Elle se retrouvait avec peut-être, on peut compter, hein, mais ces derniers temps-ci, quand il y a eu, voilà, le truc qui s'est passé là, mais on ne sait plus, elles sont sorties de nulle part, elles ont apparu du genre un peu, voilà quoi. Mais n'oublions pas que Oro Angoulade, qui était un grand soutien à Compressor, vient de déposer Compressor parce qu'elle s'est rapprochée de la reine Mabio. Effectivement. Effectivement, elle n'a pas apprécié, jusqu'à présent, elle n'apprécie pas parce qu'elle ne cesse d'afficher la reine Mabion sur sa page en l'insultant. Donc, ça veut dire que elle a, voilà, cette paix a beaucoup. Bon, ça, Non, elle n'a elle a pas perdu, aimé, puisqu'elle a elle n'a dit, pas aimé. voilà, j'ai tellement investi cette femme pour toi, et aujourd'hui, tu te réconcilies avec elle comme ça, sans en parler. Ben attends, t'es pas seul, c'est pas juste comme tous ensemble, voilà. C'était un peu un cri. Bon, le cri des Aurore Angoula, et on peut comprendre son cri, ou encore ses cris, parce que, bon, et c'est logique, hein, d'autant plus qu'une personne ne fait pas comme ça, on se parlait un peu, et on prépare ses followers, un peu comme Flora fait. Avec ancien pas Goup Goup. Ouais, un peu. Mais tu sais, Compressor a dit ceci, nous sommes en 2024, je n'achète plus les problèmes des gens, j'ai acheté des problèmes des gens et je suis calée à l'intérieur. Compressor, elle n'avait pas de problème avec la Rémy Bio, hein. Elle n'avait pas de Elle n'avait problème. pas de problème. Elle n'avait pas. Elle a Elle juste a juste acheté les acheté. problèmes Non, de en fait, Flore. la Compressor n'a jamais attaqué la reine Mabio. C'est la Jamais. reine Mabio qui a attaqué Compressor dès lors que Compressor se réconciliait avec Flore Delisle. Ça fait Voilà. pas longtemps que Compressor a commencé à appeler la reine Mabio grosse pute. Voilà. Ça fait pas très très longtemps. Et c'était aussi pareil avec Patricia Mel. Elle n'avait pas de problème avec elle. Tu vois, dans toutes les gens-là, on peut se racheter. Mais puisque la reine mère de Facebook a dit qu'on est dans le processus de Facebook de paix, donc tout le monde doit faire la paix avec tous ceux qui Voilà, tout le posent monde doit problème. faire la paix avec tout le monde. Voilà. Donc, du coup, maintenant, elle a dit, Patricia, je te demande pardon parce que j'ai acheté tes produits. Je t'ai fait du mal par rapport à mon grand frère. Parce que j'étais insultée par rapport à mon grand frère qui venait lui défendre. Et aujourd'hui, ça ne fait plus avec mon grand frère, je demande pardon. La reine Mabio, elle s'est réconciliée avec une compression parce que voilà, elle n'avait pas de problème particulier avec elle. Donc, elles se sont insultées mutuellement. Mais après, elles ont fait la paix. Mais elles n'ont pas sautillé comme on a vu ce qu'on a vu hier. Et puis à danser. Elle était contente. Je te dis que l'affaire là, quand je vois Mais je ne ça, peux pas imaginer qu'elle soit contente comme ça. moi pareil, moi pareil. Tu sens que elle voulait, et tu vas voir, hein, tu vas voir, Bertrand, quand Lolo est derrière sa caméra, il faut comprendre comment la femme, elle parle, tu penses que elle peut, donc si le lion vient de bas, elle peut tuer le lion. Je ne peux jamais parler avec Lolo. Plus jamais, je veux Flo, plus jamais de la vie. Tu vas voir, moi, je Quelqu'un qui a suis insulté ma femme mère, c'est à vie, jusqu'à de Lascaras. Dieu.
Mais dès que Floyd m'a venu, elle a fait elle s'est couchée comme le chien. Comme Elle dit qu'il va voir comment elle léchait les joues de Flore. le petit caniche là. Oui, maître, j'ai compris. D'accord, on fait la peine. Oui, vraiment, on se discutait même pourquoi. Mayam, Layam, oh, Layam, Mayam, Layam, les on a fait balancés sont loin, loin là-bas. Les Mayam. bandounets aussi et les tchangalos, loin là-bas, loin, 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 loin. Y a pas de yam. Ça, yam, c'est Reine Mébio. Et c'est avec la Reine Mébio qu'elle va crever les bourses. D'ailleurs, voilà la Reine Mébio qui est en train de la lyncher. Elle est incapable de répondre. Donc, la Reine Mébio a fait ce que l'autre faut déjà montre ses limites en clash. Parce que pour clasher quelqu'un et attirer du monde, il faut être capable de parler comme la Reine Mébio ou encore de faire des vrais clashs. Mais elle a fait un clash de 8 heures. Belâté la chèvre. La Les mêmes chèvre mots, avec la les chèvre. mêmes choses, les C'était mêmes dégoûtant. choses. Très dégoûtant. Et il faut voir. Et regarde, Bertrand, regarde. Elle a une fille dans sa, une petite fille dans sa maison qui a 15 ans, mais qui subit, tu vois, les grossièretés qu'elle sort dans sa Mmh, bouche. les Et puis grossièretés, l'enfant est là, les grossièretés, là-bas, oui. ping, là-bas, ping, là-bas, Bangala, là-bas, ceci, là-bas, je fais ceci avec qui je veux, je couche avec 3 hommes. Mais tout ça, une désespérée. Une femme, là où elle est là, depuis que Fondia est partie, elle n'a plus jamais couché avec un homme. Mais Elle n'a non, mais plus non. jamais. Mais non, elle a son gold, Mais c'est clair. qui va accepter ça? Qui va accepter une femme qui parle comme une pile? Une femme qui a des gros mots dans la bouche. Et ça se dit, ça se dit des grandes blogueuses, Mais blogueuses tu as vraiment trouvé le mon mot parler comme une pie. C'est vrai qu'elle parle vraiment comme une pie. Mais on n'appelle pas ça blogueuse. On appelle ça clasheuse. Ce ne sont pas des blogueuses. Désolé. Hein? Les gens qu'on appelle blogueuses, voilà la petite Aïcha Tamoise. Elle fait les choses en voix. Quand elle publie quelque chose, dès que tu arrives, elle est dans les 3 000, les 4 000 j'aime. Mais eux, quand Flo ou Lolo publie ou Compression publie quelque chose, à peine elles arrivent à 1 000. Je dis, Ouais, mais c'est mais quand ils sont en direct qu'on se verse, waouh. tu comprends? À peine elles sont à 1 000, Ben, n'oublie à pas 1 000 aussi j'aime. tout ça. Hein. N'oublie pas que Aïcha Tamoa, c'est une pionnière. Elle est là avant, parce que même avant, les lives étaient déjà dans les réseaux. Bon, elle était déjà dans le. Comment dirais-je? Dans la production des courts-métrages. Voilà. Donc, elle est là avant Facebook, en fait. Au Si, tout si, début, je ne dis quand Facebook pas carrément non. n'est pas direct, comment Je ne tu veux dis pas dire? non. Donc, Aïssa Kamoa est en avance parce qu'avant, elle était plus, je l'ai connue plus dans les séries web. Mais, Tu comprends? attends. Mais, si, je comprends. Mais Maintenant, je vous dis Bertrand. qu'en fait, le fait qu'elle ait beaucoup de likes ou j'aime, c'est parce qu'elle était déjà là avant. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Oui, vas-y, je t'écoute. Sinon, tu as Penses que raison, hein. parmi. Bertrand. Elles sont moins intéressantes quand elles font des posts. Bertrand, tu penses que un ministre aujourd'hui interpelle une des 3 blogueuses, met une des deux vidéos dans un salon avec ses collègues, il met la vidéo de Lolo. Est-ce qu'il peut suivre ça 5 minutes? La Non. pine, le bangala, le pourlou, la Non, pigli, je plus, pine plus. ici, je Ouais, pose elle est ici. très, très grossière. Ça, Hein? c'est vraiment. Bon, et puis d'un côté, il faut comprendre que c'est. Elle a dit, hein, elle a vécu par-ci, par-là. Elle-même, elle a toujours dit qu'elle est partie de la maison suivre une cousine au Gabon. Et elle a vécu par-ci, par-là. Elle d'ailleurs dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait. Voilà. Donc, ça veut aussi dire que l'éducation qu'il fallait recevoir à ce moment-là, elle n'a pas reçu puisqu'elle était ailleurs. Voilà. Donc, elle est grossière parce que c'est une. Bon, d'ailleurs, elle dit qu'elle fait le tapin. Donc, son langage correspond vraiment à son image. C'est Voilà. pas. Ça ne m'étonne pas. Voilà. C'est pourquoi je ne l'ai jamais maquillée. C'est pourquoi je me suis jamais forcé à être proche ou à parler avec elle. Dès lors que je sais qu'elle parle avec Tommy de Berlin, sérieusement. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire puisqu'elle est amie avec Tommy de Berlin? Voilà, donc montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Donc c'est tout ça qui a fait à ce Effectivement. que moi je sois pas proche d'elle. Et quand je l'entendais parfois, je faisais comme Amougou, dis des choses à des comme Amougou, tu es le plus beau, tu es comme ça, des choses juste pour flatter des comme Amougou, Si, quoi. si. J'ai trouvé ça pathétique. Voilà. Mais oui, elle fait des appels de balle à Mougou parce que à ce saleté-là, parce que lui, il passe son temps à insulter ses ennemis. Elle est contente. Oui, Elle mais partage. avouons que l'école Amougou a été incapable de la nias, puisque
Dès que Mangoubou était chez elle, mais il est sorti là-bas comme ça, sans baisser le pantalon. Mais en tout cas, on lui a posé la question, si on y a, il a dit non. Donc, c'est un toutou qui ne baise même pas, qui ne niaise même pas. C'est un vrai toutou parce que je comprends pas si elle était en fait, je veux pas me mêler de lui, celui-là, je n'ai jamais suivi, je n'ai jamais suivi même 2 secondes dans son direct. Donc, lui, c'est next, c'est vraiment next. Mais je tenais vraiment à dire à Lolo qu'on a vu ta limite, on a vraiment vu ta limite, ma chérie. La Oui, nouvelle abeille, maman, la nouvelle PDG des abeilles. c'est la nouvelle PDG des abeilles aujourd'hui là. Non, Flo, je te donne le tchaka. Ya! Je te donne le tchaka, ma chérie. Et quand Flo fait ça, elle sourit, hein. Elle Elle est est dans contre. le... Elle est sérieuse, un genre là que... On dit que... Mais Est-ce quand que tu tu la as filles comment, là? elle a gardé le contrôle. Quand Lolo Pipi a voulu commencer ses fuma-fuma là. C'est clair. Elle est oh, Mais Bertrand, est-ce que tu sais que... arrête Elles ça. sont arrivées... Elles sont arrivées au deuil. La veuve joyeuse a signé, persisté, qu'elle ne va même pas parler avec les blogueuses, là, qu'elle ne parle, elle ne va pas parler avec eux. Parce que la veuve joyeuse a gagné son événement. Flo n'est pas partie. Non, Alors, bon, vous pouvez que Flo aille comme ça, au Ghana, là-bas, en tout non, aussi. Donc... la veuve joyeuse a gardé dans, tu vois, non, elle a gardé dans Flo. Quand elle est arrivée au deuil, la veuve Flo a salué Mangada. Mangada l'a snobé. Elle n'a pas accepté. Tu vois, non? Elle n'a pas accepté ton bonjour. Après, maintenant, c'est quand ils sont arrivés dans le bar, là. Elle s'est assise à côté de Lolo. Elle refusait tout contact avec Flo. Lolo ne doit pas parler avec Flo. Elle refusait. Lolo a essayé de dire qu'elle va manger, elle a dit que jamais elle ne veut pas et qu'elle ne va pas mettre ses pieds là-bas au 2 novembre. Mais sa grande surprise, quand Flo s'est présenté devant eux, mais de dire que les deux qui ont levé, c'est comme si tu vois les petites caniches Ouah, donc elle pleurait. Donc même Nadège ne m'a pas avait dit à Flore que Flore, sache que toutes les personnes qui parlent de toi mal, c'est parce qu'elles t'aiment. mais Nadège ne c'est m'a vrai. pas dit ça à Flore Deline. Mais c'est La vrai. vidéo, les vidéos sont sur la toile, hein. Et Elle a. ça s'est révélé exact puisqu'on a vu, comme tu décris si bien, la douce, le comportement de Pipi cette nuit face à Flore. Maman, on peut inciter quelqu'un comme ça et voir la personne danser comme ça. J'ai été dit que Bertrand. Ah, maman Nangalié. On peut insulter quelqu'un. On peut dire tout. Jurer sur la tête de l'autre. Mais Bertrand. Je me pardonne, mais la maman la souffre hein, parce que le maman a juré sur la tête de la maman là, juste Oui. donc juste après de la Bible, jurer sur la Bible que la maman en partant a laissé qu'elle plus jamais avec la personne là. Oui, Mais elle là, a, voilà, voilà, même la mère va se retourner, maman. La dame là, qui est sur le radiateur, va se retourner. Elle va seulement se retourner. Bon, la dame sur la photo, bien sûr, hein, parce que la photo du radiateur, puisqu'on sait que c'est sur le radiateur. Bonjour, Georgette. est-ce qu'elle a le toupet de dire que dans presque toutes les maisons des Français, on met les photos sur le radiateur? C'est Où? faux. Où? C'est C'est la honte faux. qui nous fait dire ça. C'est Même la les honte. vêtements ne les sèchent pas sur le radiateur. Mais c'est la honte. Tout ça, c'est pour dédouaner sa petite soeur. Et comme pour faire si elle met les Français dessus, encore le complexe. Eh bien, le complexe, Bertrand. J'ai sorti avec un blanc 10 ans. Après, je sors avec un autre noir. Après, c'est elle qui insulte les autres femmes, bordel. Mais Voilà. tu t'entends parler? Tu t'entends parler, ma chérie? Tu as sorti avec un blanc pendant 10 ans, tu es toujours avec lui. Mais, ouf! Une prostituée n'a pas de parole, là, elle peut jurer. Bon, c'est clair, comme je l'ai dit à Lisa, une prostituée n'a pas de parole. Elle peut Elle n'a jurer pas de autant de fois parole. qu'elle veut. Mais apparemment, j'ai vu, il faut qu'on en parle. Apparemment, la reine Mère Bio et Black Beauty sont en train de se gâter. Ah bon? Apparemment, Stéphanie a préféré choisir les ténébreux. Mais bon, ça va être une suite logique puisque dans cette famille, c'est comme ça, hein. N'oublions pas que la Cas, reine c'est Mère sa Bio. cousine, hein? Sa cousine de sang. Oui, c'est sa cousine, sauf qu'ici, elle est en train de prendre la défense des ennemis de sa cousine. Et la cousine, la reine Mère Bio, a dit des choses ce soir. Mais je suis arrivé sur son direct
quand elle finissait de parler de la blague multi. Donc, je n'ai pas entendu. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est plus tard, parce que elle a fini son live. Ben, tu Mais est-ce que je voudrais sais dire, cette qu'un. blague multi est ingrate? Bon. Non, tu sais, elle va vers la visibilité. Tu sais, avec les ténébreux, elle n'avait pas cette visibilité-là. Donc, du coup, elle va. Non, avec la reine des bio, elle a jugé bon qu'elle ne va pas avoir cette visibilité. Donc, du coup, il faut se rabattre des flancs, aller dans ses soirées. Elle serait bien connue. Tu vois, flancs intervient dans ses directs. Tu vois? Donc, Mais ça c'est lui pas donne suffisant. le bien. Après, il faut mettre en potentiel. Flore est venue dans mon direct une fois, hein, malgré tout ce que j'ai fait là. Une fois, 2 secondes. Et le jour de l'an. Bon, le 31, moi, je sortais pour aller à mon réveillon. Donc, on est resté. J'ai fait un direct de 50 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, je pense qu'il faut me plaindre. Mais Black Beauty est fou. Parce que là, elle est en train d'aller vers Nadège Mbappa. La même Nadège Mbappa qui est la mère de Fleur de Lys chaque jour que Dieu a créé. On est d'accord? La même Nadège Mbappa qui est sur Fleur aussi. Et d'un côté, elle est tout le temps greffée sur Fleur. Donc on ne comprend plus Black Beauty. On ne la comprend plus. Non, mais c'est une girouette, celle-là. C'est une girouette. Et on a entendu Lolo dire qu'elle n'est pas importante pour elle, que c'est personne pour elle. Et la seconde après, on entend Pépi dire que Black Beauty lui a donné 1 000 euros. Lui a fait Ben, 1 000 pourtant, euros c'est son de chauffeur. don. C'est son chauffeur qu'elle est à Paris. Black Beauty, c'est son chauffeur. Bon, Chaka Zulu, Yumbi Shanka, je ne te vois pas souvent. Bon, je te supprime parce que toi, je t'ignore, mais tu veux toujours te faire voir. C'est son chauffeur quand elle arrive à Paris. Elle fait les tours avec Non, plus elle. maintenant, plus qu'apparemment, elles ont rompu, hein. Puisque elles ont rompu parce que Black Beauty a fait tout ça pour qu'on appelle son nom à cette fameuse télé déballée. Mais sauf que cette fameuse soir, on n'a pas cité son nom. Apparemment, elle est partie de là en pleurant parce que Pipi n'avait jamais remercié. Bon, elle a remercié tout le monde sauf Black Beauty. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est pourquoi la Black Beauty. Ah bon, c'est vrai que bon, la veuve est sortie plus tôt. L'année dernière, dit que Lolo Pipi avait dit que Black Beauty sent très fort. Bon, elle devrait sortir à Paris. Lolo ne voulait pas, mais la veuve a insisté. Quand il y a eu clash, la veuve a dit ça. Black Beauty a dit non, c'est pas vrai. Mais en fait, la reine Mère Bio a réitéré les mêmes propos. La reine Mère Bio a dit ceci, que Pipi détestait Black Beauty et que Black Beauty forçait trop. Mais et que Pipi n'avait jamais mis le carburant. Donc en fait, il faut l'amener partout, hein. Elle veut pas se soucier que tu mets au carburant parce qu'elle se prend vraiment pour une vraie star, un peu comme Rihanna, un peu comme voilà. Alors qu'elle oublie qu'elle est une star C'est vrai, hein? du Wi-Fi. C'est vrai ce que tu dis, Voilà. ça, d'accord. Donc Black Beauty est aussi en manque d'amour. Je ne Si sais c'est elle en pas. manque d'amour, elle veut se faire aimer, elle veut s'imposer, voilà quoi. Elle veut donc, et pour cela, il faut qu'elle dépense pour se faire aimer. Tu vois, il a fallu qu'elle aille à la soirée. Que Flo avait organisé. L'autre jour, Mandanda a fait le 8 mars chez elle. Il a fallu qu'elle aille aussi parce que si elle ne partait pas. Parce que Mandanda avait commencé déjà à la clasher en disant que comme tu n'es pas venu chez moi, comme tu es une babelée, tu es montée, c'est descendu. Alors que Black Butcher était en route en train de partir chez elle. Dès qu'elle a sonné, parce que ce jour, j'étais dans le direct, dès qu'elle a sonné en bas, c'est Black Butcher qui montait. Là, elle était contente. Tu vois? Elle a retiré le mot qu'elle insultait, que oui, parce que tu es bambouillé, je vous invite, vous ne venez pas, et tout, et tout. Donc, elle veut à tout prix avoir une place, se faire aimer. Voilà quoi. Ben, elle ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Elle est vraiment partout. Si elle est partout, elle fout son petit nez partout, mais elle choisit le clan bambouillé. Tu vois un peu. Elle déteste le compresseur à un point, je ne sais pas. Comme si compresseur et elles ont qu'elles discutent quelque chose, je ne comprends pas. Mais bon. Mais bon, elle croit vraiment que Pipi l'aime. Non, puisqu'on a entendu déjà trop de choses que Pipi aurait dit en coulisses sur elle. Mais bon, ce qu'on a retenu, c'est qu'elle n'est pas aussi grosse comme on peut voir dans ses vidéos. Parce qu'on avait l'impression qu'elle était très énorme Ah bon? et qu'il y avait de la place pour 13 personnes dans ses robes.
Mais Ah bon, elle n'est Waris, pas aussi grosse que ça? non, Waris nous a dit qu'en fait, non, pas du tout. C'est parce qu'elle fumait le zoom qui a grossi sa silhouette. Elle n'est pas du tout énorme. Voilà, donc c'est une très belle femme. Bon, on pouvait imaginer que c'est parce qu'elle est énorme qu'elle paye pour qu'on l'aime. Non, rien de tout ça. Voilà, elle a une belle silhouette. Mais Mais bon. tu vois, elle est partie à la fête de Waris. Oui, elle est à la fête des Waris. C'est là-bas qu'on a bien vu sa silhouette Ben, c'est hors ce caméra. qu'on dit qu'elle veut, elle veut s'imposer un peu de partout, quoi. Elle veut avoir un nom. Elle veut avoir un nom. Un nom aussi important que ça. Parce qu'elle, elle insultait Flore avant. Bon, Elle oui, insultait tous ces Anita. gens-là. Ben oui, Après, elle c'est... était Florent, le sait, puisqu'elle était tenue. Ben oui, même moi, elle m'a insulté à cause du fait qu'elle était avec Lolo. Ben oui, elle était une ténébreuse avant. Et elle est partie du ténèbre parce que son blog ne prenait pas. Et du jour au lendemain, quand elle est partie de la ténébrerie, son blog a pris. Waouh! Voilà. Et la suite, on connaît. Donc, c'est pourquoi elle jette la reine mère bio. Elle jette la reine mère bio tout simplement parce qu'elle ne veut pas d'une reine mère bio qui va peut-être parasiter son ascension. Donc c'est tout ça. Ben, ils vont s'arranger. Hein. Ben, tu sais, Bertrand, il y a un truc qui s'est passé hier, mais Lolo, elle a vite rattrapé le truc. Quand il y a eu réconciliation entre eux hier, subitement, Flore a dit, tu sais, elle aime toujours s'imposer. Elle a dit, il a fini, il n'y a plus de Poutine. Tu es Lolo maintenant, alors tu as ta team à toi. Puis Lolo, elle voulait casser un peu le jeu de Nadège, je ne vais pas. Et sa petite soeur et elle et tout, Voilà. subitement, Lolo a fait le son, tu vois, pour ne pas Ah, que, pour on ne est plus, pas énerver Nadège Mbamba. voilà, pour ne pas énerver Nadège Mampa. Et Nadège Mampa, elle a anticipé en disant que Lolo, tu peux faire la paix avec Flore, mais on savait déjà que si les trois se rencontrent, il y aurait la paix. Mais tu penses que Nadège Mampa, elle, au fond d'elle, est contente? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Elle n'est pas contente. Moi, je crois pas. Tu vois, elle a ce petit goût amer que Flore a voulu faire hier. Tu vois, mais elle se retient encore. Elle se retient encore. Elle se donne aussi, Jeanne, Nadège Mbamba. Est-ce que moi je te parlais comme si elle faisait respirer les gens? Je te dis Wow, elle se fait Jeanne. Maman, tu viens de dire que tu es Waka. Et d'abord, toi, tu te donnes, tu fais Jeanne. Franchement, même, en plus, même pas une Waka riche comme. Je te dis qu'elle est Comme 30 euros, 25 euros. même pas une Waka riche comme Natacha de Et Natacha Monaco. de Monaco. Voilà les Waka. Est-ce que tu peux insulter Natacha Waka? On dit qu'elle est une femme d'affaires. En plus, elle donne, c'est son derrière qu'elle donne à 30 euros. Une honte. Une Et la honte. vie, c'était la fin de l'instant derrière toi aussi. Tu vas fort Mais là, ma chérie. c'est sorti sur les audios, non? Non, là, C'est les sorti audios, sur les elle audios. dit, lui, que je donne mon tote à 80 euros. C'est ce qu'elle avait dit dans Ah, les c'est audios. 80 euros, hein. Moi, j'ai C'est cru que 80 c'était 30 euros. euros. Ah, c'est devant qu'elle prend 30 euros, d'accord. Mais sauf qu'il y a une histoire que tu sais pas si c'est ton tote qui sentait ou si c'est une tote de coco qui sentait. Mais en tout cas, on entendait, le client est là, dans les escaliers, c'est noir, il est reparti. Oh, il a dit que c'est une tote. Mais par moment, on sait que coco qui a tout donné son lait à téter aussi hein, au client. Si, Tout si. ça, on entend. Oui, tout en l'aide. Tu sais, Coco, Ah. elle est là pour... Elle est calme, tu vois. Elle est un peu, elle est un peu au milieu de la reine Mebio et de Nadège, tu vois. Du coup, elle est en retrait. Elle ne donne pas son avis. Ouais, depuis lors que Nadège Mbamba est sortie, dit que Coco et toi aurait doigté la reine mère bio avant de la jeter parce qu'on te sentait. Alors c'était un clash. Apparemment, elle n'a pas banalisé ça. J'ai l'impression qu'elle n'a pas pardonné cet affront ou encore cette histoire, Nadège, puisqu'on ne peut pas dire ça. Dit qu'elle a doigté une femme, soit parce qu'elle dit qu'elle est lesbienne, qu'elle couche avec tout le monde. D'accord? Ben oui, Donc Nadège a ben dit oui. ça en banalisant les choses. Mais pour une lesbienne, c'est un peu comme, c'est pareil comme si on a une fille qui a couché avec tout le monde, avec tous les garçons. Donc c'est pareil quoi. Mais Nadège m'a pas comme elle est dans son monde à elle et qu'elle est pour elle. Enfin, cette femme-là, je ne sais pas d'où elle vient de toute façon, mais elle a dit ça comme ça alors qu'il n'en était rien. Alors que Peut-être. c'est... Ben tu sais, elle passe tout son temps à mentir, à inventer pour salir les vies des gens.
Tu vois, une Ouaka n'a plus de, donc il n'a plus rien à perdre. Ouais. Elle peut vendre même sa fille. Mais Tu franchement, vois. dès qu'il achète encore même ce genre de chat, maman, à cet âge-là, Je te dis qu'elle hey! est trans. Je Mais te dis attends, quand elle visite, quand elle visite les Ouakala, qui achète ce genre de qu'elle chat? Non, 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 est. ne rions pas. Wow, mais ton Maman, les jeunes filles de 23, 24 ans m'ont dit qu'est-ce qu'on Ouaka? Maman, mais les mamans, maman, il y a la. ya, Sokoko, ya. Il y a la pression dehors. Mais elle ne se laisse pas. Elle va travailler quoi? Elle travaille pas. Elle a donné ses papiers. Elle, ses papiers, travaille pas une autre Ouaka, école. je suis Ouaka. Ouaka, à ton âge, maman. Il faut dire, je suis Ouaka à la retraite. Oui, je suis Ouaka à la retraite. C'est comme ça qu'on dit. Donc, Oh, elle est je... Waka professionnelle. Waka Non, à des la deux retraite, ma biens. chérie, même si elle a son âge, maman, à la retraite. C'est comme ça qu'il faut dire, je suis Ouaka à la retraite. Ça veut dire qu'elle était Ouaka quand elle était jeune, quand elle avait une vingtaine d'années. Maintenant, à bientôt la cinquantaine, ben, tu ne parles plus de ça. Ah, On est d'accord ou pas? ça c'est clair. Voilà. Que, en fait, cette femme-là, elle est bizarre. Donc, elle a voulu. Mais si c'était une Ouaka comme Natacha de Monaco, on devait l'aimer. C'est clair. Natacha, c'est une belle fille. Elle est Oui. propre. Ça se voit sur Non, même elle. pas question de belle. Non, elle a la thune. On voit sa thune. Oh, et on dit, tu as vendu ton top. Pourquoi? Elle va dire pour ça. Elle va te montrer sa piscine. Elle va te montrer ses maisons. Elle va te montrer ses choses. Mais voilà. Effectivement. Une Ouaka qui on pose la question, tu as vendu ton top, pourquoi? Elle te dit pour manger. On te dit, bon, attends. Pour acheter les perruques. Pour acheter des perruques. Voilà, pour acheter des chaussures. Pour acheter Voilà. les perruques et les chaussures et mettre ce soir. Pour acheter ma gamme. Et vous voulez qu'on peut aimer ce genre de Ouaka? Non, on ne peut pas aimer. On peut que critiquer. Il dit que ça, c'est ça Et on pourri, va ça, c'est ça bien mauvais. critiquer. Voilà. Et comme je l'ai dit, Nadège, je ne vais pas, c'est toi qui as dit que tu étais Ouaka. Mais c'est elle, non? J'ai cru que tu blaguais, maman. Jusqu'à ce que tu commences à... Ben oui, j'ai cru qu'elle blaguait. Jusqu'à ce que Nadège insiste qu'elle est Ouaka, qu'elle est Ouaka, qu'elle tire les valises. C'est la reine Medoka qui a confirmé. Mais c'est ça. Et tout récemment, Patricia Mel a dit à Nadège Mbapa, enfin tu vas rester à la maison, garder ta petite fille, parce que tu décryptes mes vidéos. Parce que ça va t'empêcher de sortir faire le waka. Donc, peut-être c'est une façon de la clasher aussi. Mais Nadège a constamment dit qu'elle était waka. Au point que je me Elle ne suis cache pas. Hein. elle ne Elle cache n'a pas. jamais caché. Mais elle Elle n'a va jamais ajouter à caché. la retraite dedans parce qu'on ne peut pas être waka à son âge. Ben, Et c'est attends. comme ça qu'elle est aigrie. Quand elle part dans une maison vendre son truc là, ses sales fesses là, elle Mais arrive là-bas, ça ne passe pas. t'as vu ses fesses là, Elle Doudou? arrive. Mais on est dans les vœux de sa santé en Mais tout cas. oui. Et même son frère avec qui elle est aujourd'hui là, le tribaliste de Messang là, lui-même il avait dit qu'elle sent, lui-même il avait dit ça dans la vidéo, dans les voix. Elle, c'est une fille qui sent. Elle se lève. Une femme qui se lave avec le vinaigre, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Elle se lave avec le vinaigre. Avec le vinaigre, ça chasse les odeurs. Elle se lave avec le vinaigre. Mais attends, c'est dangereux le vinaigre pour la moule. Non, parce qu'elle avait de fortes odeurs. Donc, du coup, pour éteindre ça, il faut le citron et le vinaigre. Sinon, elle ne peut pas rester auprès de toi. Hein. Mais comment tu sais tout ça, ma Mais douce? compression, elle marchait avec compression et elle faisait tout ça avec compression. Ah oui, je vois. Donc Ah c'est compression qui oui. disait tout ça. Ah oui, bon beaucoup. Ah Bongo, d'accord. il dit. Oui, bon, oui, Bongo, dit. il dit. Ben non, elle avait son total avec le citron. Mais c'est vrai que c'est. Bon, oui, c'est possible. C'est le bongo, tu oublies qui fait tout ça. Une fille jalouse, là où elle est là, non? La paix de Flore et de Lolo, là, non? Ça ronge Bongo et dit jusqu'à. Elle n'est pas contente jusqu'à. Elle m'a déposé pipi bientôt. Mais oui, nous sommes là dans ces questions de temps. Mais tranquille, par ces questions de temps. Qui aurait cru que leur réussite allait péter un jour? La Qui Russie, aurait c'est quoi cru? même d'abord? Je suis vraiment intéressé à cette Je histoire te et je dis que rêve d'y c'est la Russie aller. pour détruire leur consoeur. La Russie, Poutine, Poutine. Poutine travaille, hein. Poutine ne reste pas à la maison monter les perruques. Les perruques, en plus, les perruques se placent sur des têtes de perruques. On ne les jette pas comme ça, comme bête à la folle.
Voilà, Maman, j'ai pas elle avait entassé ça dans un sac. dans un sac Dans poubelle. un sac Après, poubelle. Et ça s'est elle, dit parfois, elle propre. portait des mèches à la place des perruques. Je t'ai Hey! dit, hein. Et, mais, non, la fille m'a gagné, qu'elle a sorti tous ces Mais torchons-là. j'imagine l'odeur, Bon. ça doit sentir tout Mais, ça, non? senti, quand tu parles chez les vraies femmes, elles sont comme Natacha de Monaco, quand tu parles, elle a les têtes de perruques. Les têtes de perruques, ça se positionne comme ça. Ben On oui, c'est injecte ça, les on voit perruques pour dans rentrer les un têtes de coucou perruques. d'ago avec ça. Voilà, le coco, la gomme, quand tu vois les vraies femmes, ça, c'est ça la propreté. Mais pas que tu jettes dans le sac poubelle et en plus de toi, tu viens, tu veux inciter les gens de salle, tu commences à sortir tes torchons là, tes bêtises là. Hein? Les gens du Ouaka qui a fait plus de qui a fait 50 pays, elles viennent nous fatiguer les oreilles et les yeux avec les bêtises sur tous les jours. Hein? Mais apparemment, tu n'aimes pas toi, pipi, hein, la douce. Non, non, le problème c'est que. Hein, Pipi a trop la gueule. Moi, je l'aime bien, mais elle a trop la bouche. Tu comprends, non? Moi, je suis qui pour détester quelqu'un. Je ne suis personne. De la même manière qu'elle insulte les gens, il faut qu'elle s'attende qu'on puisse l'insulter un jour. C'est une soeur comme c'est une grande soeur. Moi, je vais la détester. Pourquoi? Je crée l'être humain. Je ne crée pas l'être humain. Ah Oui. non? Bon, on va appeler Jean-Jacques. Bertrand, tu te régales depuis le matin, là. Ouais. Et tu as trouvé un bon interlocuteur, mais là. Voilà. Ouais, mais ça laisse même comme ça, non, mon frère. Mais là, il y a quoi? On joue, on passe un Mon temps, gars, on passe un bon temps. mon gars, laisse d'abord comme ça. C'est vrai quand même, mais. Mais il y a quoi? Je Ouais. suis dans ma cuisine peinard, j'ai pas de problème, hein. Le puissant Bertrand. Salut, madame. Bonsoir. Bonsoir, Donc, papa. ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Bertrand, nous sommes sur cette toile, mais les Camerounais. Beaucoup de les Camerounais aiment tous les médiocres. Hein. Surtout, je vois en France là-bas. Quand quelqu'un est médiocre, il est beaucoup aimé. Hein. Ouais, Parce quand il que, fait le tintin. voilà, c'est parce que quand les gens sont tellement jaloux, quand ils te voient peut-être toi là, avec une maison comme ça là, ils se disent que non. Alors que c'est au bout de beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que faisons des efforts, éduquons nos enfants quand ils arrivent en Europe, aller se former. Faire des formations et puis après, ils vont s'en sortir. Parce que regarde par exemple le petit Toby qui est arrivé là. Les gens l'ont mis dans le Japap. Il n'est que là, à longueur de journée, en train d'insulter les gens. Ouais. Or, cet enfant a encore un âge où il peut aller à l'école, il peut aller se former pour devenir meilleur demain. Ouais, l'âge tendre. C'est ça. Donc, vraiment, faisons les efforts que lorsque on est en France, éduquons nos enfants, créons le style. Parce que demain, on va fabriquer les jaloux. Parce que tout ce que tu vois là, ils tournent autour de Facebook là tous les jours. Ils sont dans la haine, ils sont dans les insultes là. Ce sont des gens qui ont. Si tu vois 80%, ce sont des gens qui font des petits métiers en France. Ce ne sont pas des gens qui ont des boulots vraiment. Si tu vois quelqu'un se lève le matin, il va travailler, il va se concurrencer. Tu vois, ce ne sont pas des gens. Ils sont toujours là dans les petits trucs et la jalousie, ça crée la jalousie. Et ils tournent autour de la haine sur Facebook. Ils pensent que Facebook va les réhabiliter. Facebook ne réhabilite pas. Hein. Non, Toi, quand tu vas te lever le matin, tu vas aller au travail. Le problème, c'est pour ça que. Tu vas voir ici en Amérique du Nord, tu peux pas rester sur Facebook déambuler comme il déambule là. Non. Là, non. ici là, même les HLM, les maisons HLM là, pour vivre dans le social ici, le social ici c'est peut-être 700 dollars. Ça ne te paye même pas, ça te paye seulement la maison HLM et puis c'est tout. Tu vas manger quoi? Donc tu es obligé d'aller fronter, d'aller travailler. Or le social. Donc, on peut faire un cumul là-bas, en Oui. Europe. Oui, on peut faire un cumul ici. Tu peux avoir tes deux boulots Non, je ici. veux dire aide sociale et travail, quoi, je veux dire. Aide sociale, c'est aide pour les enfants, par exemple. C'est-à-dire que tes enfants ont l'argent, mais tu ne peux pas avoir l'aide sociale et travail en même temps. En fait, au-delà d'un certain revenu même, on n'accepte pas que tu aies un HLM. D'accord. Bon, peut-être en fait, tu es monté. Me dit quelque chose aussi Non, bon, concernant au Breaking News. Pour la paix, la... pour la paix est bien, non? Toute paix est bien, mais il faut qu'elle soit sincère, c'est tout. Mais attends, Mais tu as suivi la douce. Qu'est-ce qui t'inspire tout ce que la douce a dit tout à l'heure depuis que tu dans es ce qui là? m'inspire, ce que la douce a dit, c'est ce que je pense
Bon, pas que tout ce qu'elle a dit, mais moi je suis pas, je vais pas. Mais je sais que une fille comme Nadège Bappa, elle a beaucoup radicalisé Lolo aussi. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'elle ne venait pas vers Lolo parce que elle veut l'aider ou bien pour. Mais elle venait pour l'aider, moi, à détester. Mais Flore a dit quelque chose aujourd'hui dans leur père là. Flore a dit que les problèmes de Lolo ne sont pas ses problèmes. Voilà. Donc, si Lolo a les problèmes avec. Si eux, ils pensent que. Si les Lolomaya pensent que, comme Flore de Lille est en paix avec elle, c'est pour aller combattre les autres. Parce que eux, leur père, dans leur tête, c'est pour aller combattre les autres. Ouais, c'est pour C'est. aller combattre la reine main bio. Voilà, la reine bio et tout le reste là. Mais Flore leur a dit, je fais la paix avec toi, mais je n'achète pas tes problèmes. Donc tes problèmes restent tes problèmes et mes problèmes restent mes problèmes. Voilà. C'était très bien. Et du coup, vous voyez, depuis que j'ai dit pipi, est-ce que vous avez vu les abeilles venir m'acculer ici? Non? Non, c'est tous les Lomayens qui viennent. Avec, et puis quand tu vois une personne comme Dorcas, je te dis, s'il n'y a plus de propagande de la haine entre Flo. Si Lolo fait la paix maintenant avec Compressor, tu vas voir que Dorcas ne va plus exister. Elle va Ouais, plus parce que là, exister. il va se rabattre Elle ne sur va plus Compressor, puisque. exister parce que Dorcas n'existe que par rapport au clash. Ben Elle ne oui. va plus exister. Si il y a la paix entre ces trois gens-là, je te dis, Dorcas n'existera plus. Les Non, Baba, Françoise MB, si tu es fatigué, va dormir, ne les fatigue pas Nadej les gens Baba ici. n'existeront plus. Il y a beaucoup dans la toile-là qui auront deux vues tous les jours. C'est C'est-à-dire clair. que. C'est-à-dire que les gens sont là parce qu'il y a les abeilles, il y a les TKC, et parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui provoquent la haine, qui sont toujours dans le dénigrement et tout ça là. Je C'est ça. dis, il y a des blogs là que si on termine avec les clashs là maintenant, Bertrand, tu vas voir. Est-ce que Oui, Dorcas va encore il y a les exister? blogs gauchistes aussi, hein, Même les pages gauchistes. les pages Congo, ça là, tous sont Tous fermés, sont hein, fermés. parce qu'il manque la monétisation derrière ces stars-là, hein. Ah C'est oui. ça. C'est eux-mêmes qui alimentent encore ça de plus. C'est vrai. Ça les plaît C'est vrai comme qu'il ça. Ça manque les la haine. plaît. Oui, C'est mais pour ça. attends. Mais vous voyez comment la stratégie de Pipi. Vous pensez que Pipi, quand elle se rapproche vers Flore, elle espère que Flore l'aide à combattre Meuf. C'est le chant dédié, hein, c'est rien. Non, là, non, non, là, non. Flore n'est plus dans l'optique. Flore est maintenant une commerçante. Elle n'est plus dans l'optique de clasher. Dis donc, quel Vraiment, commerçant? Faut laisser ça. quand je dis Commerçant, tu veux quoi? commerçante, quand je dis commerçante, elle Mais fait Flore, dans quand elle le. va racheter, Jean-Jacques. Non, se Non, elle cache fait dans derrière le. les trucs, non. Elle fait dans le. C'est Se pas. cache derrière ça. Elle se cache derrière ça pour faire beaucoup de choses. Faut laisser. Bon, elle fait dans l'événementiel, ce que je vois. Moi, je suis pas un sorcier ou bien un agent de FBI pour savoir ce qu'elle met derrière. Mais moi, je sais qu'elle fait dans l'événementiel. Donc, je me dis que l'événementiel, ça veut dire qu'elle a besoin de tout le monde. Moi, c'est ce que je me dis. Oui, mais attendons, puisqu'il reste 8 mois. On est d'accord? Parce qu'on parlait trop vite là. Oui, il reste 8 mois. Bon, moi, je dis qu'elle est dans l'événementiel. Tu veux qu'elle te dise quoi? Je ne suis pas en Europe, je ne suis pas un FBI pour enquêter ce qu'elle fait derrière. De toute façon, on a Mais dit. moi, je me demande aussi comment ces gens-là vont faire à leur retraite. Est-ce qu'ils pensent vraiment à leur retraite? Parce que tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas de retraite. Elles vont faire des lives, non? Non, tu sais quoi? Non, attendez. Elles ont donné leur papier de travail. Hein. Elles ont donné leur papier aux gens sur, et les gens travaillent avec. C'est ça qu'elles Non, font à la mais maison. donc si la je personne pense travaille. pas, parce que bon, tu parles d'équipe pipi, peut-être, mais Flo, je Ben pense oui, pas. je parle de pipi. C'est papier travail. C'est papier travail. C'est Ah, ça qu'elle d'accord, tape sa donc bouche pipi, là tous les jours. ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle tape sa bouche là tous les jours. J'ai la formation. Je te donne mon emploi du temps. Je fais ceci, je fais cela. Ok, Est-ce que Bertrand, tu moi je vous laisse. Hein. D'accord, merci. Et laisse-moi ma chroniqueuse. À très bientôt. Je te laisse. Merci. Oui, je Donc, t'écoute, oui. est-ce que toi est contre? Quand il dit tous les jours que je te donne mon programme, je te donne ma formation que j'ai fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ben oui. Parce que si elle a fait les papiers de 1 an, si avant d'aller renouveler, tu as trouvé qu'elle travaille. Donc, voilà. Non, un paquet d'un an. Hé, Seigneur. Non, c'est Depuis 20 du lourd ans, depuis. patel, mais bon, elle va travailler pour. Elle Elle va a pas laisser travaillé. aller comme ça dans la naïveté. Si, elle a travaillé pour aller renouveler les papiers. Une grande blogueuse. Dans zéro. Voilà, Emma Loès là-bas. Avec Emmanuel Pieta.
Ce sont les compatriotes. Chacune est dans son coin. Personne ne cherche les politiques maliennes. Elles sont connues comme des princesses. Mais pour nous, les Camerounais, on a toujours montré qu'on en a grande gueule. On a toujours montré qu'on est supérieur à l'autre. Que personne ne fait ça, personne ne peut se dire. On gonfle dans le cerveau. Ça, c'est quoi ça? Toujours dans la haine. La haine, la mais haine. Mais sont les ténébreux, non? Sont les ténébreux? Ben oui, ils sont les ténébreux. Sont les ténébreux. Et comme je dis, heureusement que Pipi est désormais abeille. Elle est le général des abeilles. Oui, la général des abeilles, Pipi. Donc, elle va désormais se battre auprès des abeilles. C'est elle qui va voilà. Nous dire les programmes maintenant, comment Flo va sortir, ce qu'elle va faire aujourd'hui, ce qu'elle va faire demain. Donc, on est là, on est assis par terre. Elle était tellement contente. Pipi. Est-ce que tu sais que il y a même certaines abeilles qui ont fait le poste que maman, elle attendait que l'appel. Hein. Elle est partie là-bas pour ça. Elle est partie pour ça. Elle n'est pas partie pour le diable. Ouais, j'ai dit même l'avion, elle a pris la voiture ou encore le TGV pour aller parce qu'elle savait qu'elle devait rencontrer Fleur de Lille. Mais oui, elle savait. Elle a rencontré ça la veille. Et c'était une bonne occasion. Mais c'est ça, non, Bertrand, tu penses que quoi? Même si c'est toi-même, tu veux te réconcilier avec quelqu'un. Est-ce que vous allez encore vous voir où? Et voilà la femme de Amot qui a dit qu'elle va organiser le bois bébé pour pouvoir les réunir ensemble. Tu vois le tribalisme? Tu vois ça? Ah, d'accord. Oui, elle a dit qu'elle va faire le bois bébé pour les réunir ensemble pour fêter la paix. La paix de quoi? Pardon, qu'ils aillent avec ça. La paix de quoi? Une paix que vous n'êtes même pas assis pour dire que ouais. La blessure est profonde. Mais ils sont faits du mal. Il n'y a pas de blessure. Ils sont faits du mal. Hein? Dis-moi pourquoi, vraiment, comment elles ont passé leur temps aujourd'hui à danser en direct, danser avec le micro là. Elles pouvaient prendre quelques minutes de seconde. Mais comme le suspect va y remplir tous les micros, le cerveau. À la place de danser, vous pouvez écouter vraiment les internautes, les faux profils. Vous avez beaucoup travaillé pour nous, on était dans la guerre. Mais aujourd'hui, avec ma soeur, le mal est profond. Marie-France, j'ai entendu que René Stadeville aurait ramassé un client à la fête de tout à l'heure, enfin, de cette nuit. Bon. C'est sur la reine même qu'on a entendu ça. Que René Stadeville a embarqué un homme pendant la réconciliation de Fleur de Lille, Toto Pipi. Bon, je ne sais pas si tu as eu vent de ça aussi. Elle a besoin d'argent pour l'enterrer son père. Hein. Celle-là, c'est une banque. Elle ne passe pas. Elle rentre de son travail, elle fait le supplément. Bon, En tout cas, elle vend son supplément ouvertement. Ouvertement, bon, oui, pardon, je parle très vite en ce moment. Je bug. Bon, on va peut-être arrêter direct. Je suis très fatigué. Ouais. Et je vais me reposer. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour. Que je suis contre cette. Les lolomania et les abeilles vont te tuer. Ils vont dire que tu es une diable. Ils vont que me tuer. De toute façon, moi, je suis sur ma page. Genre, je dis tout ça de ma page. Tu vois, vous ne pouvez plus rien faire. Ma part, vous avez tellement signalé. Je suis signalé. Bon, moi, je suis resté jusqu'en juin de cette année. Donc, ça ne peut pas être pire que ça. Donc, faites ce que vous voulez. Mais sachez que cette paix-là, c'est juste le tribalisme à ciel ouvert. Le tribalisme ouvertement. D'accord? La seule paix qui tienne, ou encore la seule paix qu'on peut vraiment, qu'on peut travailler dessus, c'est la paix qu'on ressort. Parce que c'est là-bas qu'il y a un problème. Bon, tu veux clôturer, tu veux conclure, doucement. Ben, merci beaucoup, comme tu m'as pris dans ton direct. Ça a été un plaisir. Vraiment, tu es quelqu'un de bien. Merci. Voilà. Et repose-toi bien. Bonne merci, soirée. Gros bisous à toi. Bisous à toi, merci infiniment. Moula, je te vois seulement maintenant. Moula Tambourou, je te vois seulement maintenant, Moula. Je te voyais plus ici depuis un moment, Moula Tambourou. Je te voyais plus. J'imagine que si tu es là, c'est parce que tu es au boulot et que tu ne dors pas. Moula Tam. Viens me donner ton point de vue sur la réconciliation des Yam. Impossible d'ajouter Moula Tam. Ah, Moula Tambour, pardon. Voilà.
Allez, mes amis, on va aller dormir. On se revoit demain. Et sachez que cette paix-là, c'est une parodie de paix. C'est une paix hypocrite. Et voilà. Et c'est une place. Ah, les gens, les jeunesses, ça faisait un bail. Je te voyais plus. Depuis que enfin, ma femme est venue t'enlever chez moi. Des gens de Genève. Bon, allez, salut tout le monde. Salut, chers tous.